Bonsoir et bienvenue sur Mediapart Live. Longtemps, les espions ont été la part d'ombre de notre République. Et quand le cinéma s'en emparait, c'était pour les tourner en dérision, des barbouzes à OSS 117. Mais désormais, ces questions se sont invitées dans notre quotidien, tragiquement. Chaque nouvel attentat draine son lot d'interrogations sur les ratés des services. Et les pays alliés, dans la lutte contre le terrorisme, continuent à s'espionner les uns les autres. Alors aujourd'hui, nous consacrons un Mediapart Live exceptionnel afin de tenter d'éclairer cet univers. À notre bal des espions, nous avons invité en première partie de soirée un ancien ambassadeur, un ex-agent du KGB et une essayiste afin d'analyser l'entrisme réel ou supposé de la Russie de Poutine en France. La fiction, elle, s'empare enfin du sujet avec sérieux. Aussi, le créateur de la série Le Bureau des Légendes racontera comment il procède pour coller à la réalité, tandis qu'un ex-agent de la DGSE décryptera les ressorts de cette série. Pour finir, un ancien responsable du service et un chercheur nous dévoileront comment travaillent ces espions, jusqu'où ils peuvent aller dans l'illégalité. Bienvenue dans ce monde secret où le vrai et le faux se confondent. Bonsoir. Donc, pour commencer notre premier débat, l'entrisme russe entre fantasme et réalité, que nous présenterons avec Hélène Salvi et moi-même. Donc, nos invités, alors nous en avons deux pour l'instant sur le plateau, le troisième devrait nous rejoindre en cours d'émission. Donc, on va commencer par M. Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France en Russie entre 2000 et 2003, et par ailleurs auteur d'un livre « Vivre avec Poutine », qui est paru cette année. Et Sergueï Jirnov, ancien agent du KGB, réfugié en France depuis la chute de l'Union soviétique. Et vous êtes installé, ce n'est pas un secret, dans les Alpes. Et devrait nous rejoindre dans quelques minutes, nous espérons, Galia Ackermann, qui est historienne, journaliste, et qui vient de publier l'an dernier « Traversée de Tchernobyl ». Voilà. Donc, messieurs... Nous avons souhaité vous réunir parce que ces derniers mois, que ce soit dans l'Obs ou dans Mediapart, nous avons révélé un certain nombre d'affaires qui concernaient des tentatives de tamponnage, comme on dit dans les services, d'espions russes en France et cherchant à donc tamponner des hauts fonctionnaires français. Et par ailleurs, au moment où nous révélions tout ceci, éclatait la fameuse affaire Skripal, du nom de cet ancien agent double russe qui avait trahi pour la Grande-Bretagne, qui vivait en Grande-Bretagne et qui a été victime d'une tentative d'empoisonnement, lui et sa fille, ce qui a provoqué un scandale à l'échelle mondiale et avec quelques 110 espions présumés qui ont été priés de rentrer 152. Voilà, chez eux. Donc, je vais peut-être commencer par une question un brin caricaturale et provocante, mais est-ce qu'on se trompe entre le mythe et la réalité, ou est-ce qu'on est en train d'assister en matière de renseignement à une espèce de nouvelle guerre froide entre la Russie et certains pays occidentaux, dont le nôtre? Peut-être, M. Jirnov, vous qui êtes un ancien... Oh, oui. Est-ce que ça change de ce que vous avez connu ? Ça change absolument pas. Et d'ailleurs, la guerre froide n'a jamais cessé d'exister. Donc en fait, on espérait que la guerre froide était terminée avec l'arrivée déjà de Gorbatchev comme secrétaire général à la tête du Parti communiste de l'Union soviétique. Mais en réalité, même sous Gorbatchev, avec la perestroïka, avec l'ouverture de l'URSS, des frontières de l'URSS vers le monde occidental, le monde d'espionnage a pris un essor extraordinaire déjà à cette époque-là. Et rappelons peut-être pour les gens qui nous regardent que Vladimir Poutine, le président de la Fédération russe, est un ancien des services. Et encore très récemment, c'était je crois l'an dernier, il prononçait un vibrant éloge des clandestins, ces espions qui partent se fabriquer une vie, vous nous raconterez tout à l'heure votre expérience, dans des pays étrangers, et en disant qu'il fallait beaucoup d'abnégation pour abandonner sa famille et se refaire une vie. Et vous, M. Blanchemaison, qu'est-ce que...
de là où vous êtes. Donc vous, vous êtes un ancien diplomate et un spécialiste de la Russie. Est-ce que vous avez ce sentiment? Est-ce qu'il y a un regain d'activité des services russes et de leur intrusion? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, effectivement, comme vient de nous dire M. Gernoff, n'a jamais cessé et c'est simplement que là, on a quelques affaires qui défraient la chronique? Oui, je crois tout à fait que ça n'a jamais cessé, comme d'ailleurs ça n'a jamais cessé entre tous les grands pays qui ont une politique étrangère globale. Ce n'est pas uniquement une affaire russe, une affaire britannique, une affaire américaine. Tous les grands pays qui ont une politique étrangère un peu structurée ont des services de renseignement et des services de contre-espionnage. Ça n'est pas nouveau, c'est de toute éternité. Là où je différerais un petit peu avec mon voisin, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le jugement selon lequel la guerre froide continue. Aujourd'hui, il n'y a plus de lutte un système contre l'autre système. Il n'y a plus d'idéologie communiste qui lutterait contre une idéologie libérale au sens à la fois économique et politique. Mais en effet, il y a des luttes entre grandes puissances, qui sont des luttes de grandes puissances. Alors, je crois que l'affaire Skripal était assez illustrative à ce sujet, parce que, dans le fond, les services spéciaux se connaissent. Ils ont d'ailleurs des liens institutionnels. Il y a naturellement des agents immergés, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, mais il y a aussi des liens institutionnels. Et il résulte de ces liens institutionnels qu'il y a des règles de comportement. Et que lorsqu'un service de tel ou tel pays franchit la ligne rouge et va au-delà des règles de comportement normalement admises, eh ben on prend des mesures de rétorsion. Et dans le fond, je crois que les pays qui ont pris des mesures de renvoi de diplomates russes à l'occasion de l'affaire Skripal, par solidarité avec l'allié britannique, finalement, n'était pas mécontent de cibler quelques personnes qui, en effet, depuis quelque temps, quelques mois, quelques années, en faisaient un peu trop. Ils étaient identifiés, certains d'entre eux avaient d'ailleurs été prévenus. Mmh. Et pour ceux qui nous regardent, je précise que là, nous concentrons sur ce premier débat sur la Russie, mais que vous avez tout à fait raison, tous les pays s'espionnent, c'est la règle, et que nous évoquerons aussi d'autres affaires et d'autres tentatives d'espionnage émanant d'autres pays, d'autres puissances, en deuxième partie. Là, la spécificité aussi russe, c'est que c'est intervenu, en tout cas pour nous Français, c'est que ces affaires et l'affaire Skripal sont intervenues alors qu'il y avait ce voyage d'Emmanuel Macron qui se profilait à Saint-Pétersbourg. Alors Hélène, tu as couvert pour Mediapart ce voyage. Est-ce que ces questions d'espionnage, est-ce que ces 4 ou 5 espions russes renvoyés chez eux et la réciproque côté français, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a suscité des tensions et est-ce que ça a été ne serait-ce qu'évoqué publiquement par Emmanuel Macron, Vladimir Poutine ou d'autres? Alors, Emmanuel Macron s'est rendu, et vous le savez, nous en avions parlé ensemble, M. Blanchemaison, les 24 et 25 mai à Saint-Pétersbourg, pas tellement pour une visite d'État, mais parce qu'il était invité au Forum économique, Forum international économique de Saint-Pétersbourg. Mais à cette occasion, ils se sont effectivement entretenus en tête-à-tête longuement. Moi, je ne suis absolument pas au courant de ce qui s'est dit dans le secret des dieux. Je présage pas de ce genre de choses. En revanche, ce qui est sûr, c'est que publiquement, ils ont tenu une conférence de presse commune et qu'il n'a pas été question une seule seconde de l'affaire Skripal, ni dans les questionnements, ni eux-mêmes ne l'ont évoqué. La question que je voulais vous poser, peut-être à vous d'abord, M. Blanchemaison, c'est est-ce que finalement cette offensive russe, même si elle n'est pas nouvelle, est-ce qu'elle peut avoir des interférences sur les dossiers diplomatiques sur lesquels la France et la Russie coopèrent? Je pense notamment pendant ces deux jours, il a été question d'avancer, même peut-être à minima, mais d'avancer en tout cas sur le dossier syrien et sur le nucléaire iranien. Plus largement, on sait que les services français et les services russes coopèrent en matière de lutte antiterrorisme, notamment sur la filière tchétchène. Est-ce que ces affaires d'espionnage sont de nature à remettre en cause les coopérations interpays ? Alors, je crois qu'il faut dire que l'affaire Skripal, elle est derrière nous.
M. Skripal et sa fille vont bien, je crois, tant mieux. Ça prouve que les services médicaux britanniques sont efficaces. Et puis, il y a eu ces renvois, suivant un balai soigneusement réglé, de diplomates dans les deux sens. Et maintenant, cette affaire, plus personne n'en parle. Elle est derrière nous. Probablement que les services russes en faisaient beaucoup trop, dans certains domaines, y compris d'ailleurs chez nous. Et en effet, un certain nombre de personnes identifiées, déjà depuis pas mal de temps, en ont fait les frais. Bon, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus à épiloguer sur ce sujet. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le choix fait par Madame May de faire en faire une affaire politique et d'appeler à la solidarité les pays occidentaux et en tout cas les pays européens, il est probable qu'on n'en aurait jamais parlé. Les services russes ont probablement, en effet, franchi la ligne rouge en Grande-Bretagne. Dans ces cas-là, l'habitude, mais peut-être que le spécialiste nous dira quelle est la réalité des choses. Mais de mon point de vue, l'habitude, c'est que dans ces cas-là, le service qui se sent agressé rétorque sans en parler à personne. Et dans ces cas-là, s'il était vérifié que les agents du GRU ont dépassé les bornes, eh bien, les services britanniques s'en prenaient à deux ou trois agents du GRU de la banlieue de Londres. Et puis, terminé, on n'en parle plus. Et le message dans ces cas-là passe 100%, n'est-ce pas ? Pour quelle raison tout le monde a suivi dans ce cas ? Pas simplement parce que Theresa May l'a demandé. Parce qu'il y a une combinaison de facteurs. D'abord, je pense que les Européens voulaient montrer un peu de solidarité avec Mme May, qui est dans la difficulté de sa négociation sur le Brexit, qui ne fonctionne pas bien et qui, pour le moment, ne mène à peu près nulle part, que les Américains, par principe, étaient solidaires, naturellement, de la Grande-Bretagne. Et puis, par ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de diplomates dans plusieurs pays européens qui en faisaient un petit peu trop depuis quelques temps, depuis quelques mois, et qui peut-être auraient fait l'objet, d'ailleurs, d'une déclaration de persona non grata et de renvoi, indépendamment de l'affaire Skripal. Alors, d'ailleurs, on l'avait révélé dans Mediapart, c'est qu'en fait, il y a eu un premier agent du GRU, on y reviendra, qui a été renvoyé manu militari, parce qu'on l'a chopé dans la rue quasiment par hasard ou presque, mais qu'il y en avait par ailleurs d'autres qui étaient programmés, que Emmanuel Macron a demandé de différer aux services de renseignement leur expulsion pour ne pas se mettre en difficulté par rapport au voyage diplomatique dont on vient de parler, et que en fait, l'affaire Skripal a permis d'écluser et donc de renvoyer ces quatre qui auraient dû être renvoyés après normalement le voyage. Alors, Monsieur Girnoff, donc on va venir peut-être maintenant sur la France, sur ce qui se passe en France. Donc, on vous a parlé déjà, Monsieur l'ambassadeur, on a parlé du GRU. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai qu'il y a toujours le fantasme du KGB et de son héritier, le FSB. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, toutes les affaires d'espionnage référencés en Europe, ça vient du GRU, qui est en fait l'équivalent c'est le service de renseignement militaire soviétique, enfin russe, pardon, et qui est très proactif, dirons-nous pudiquement. Ils sont basés non pas à l'ambassade de Russie qu'on appelle le bunker Boulevard Lannes, mais dans une annexe qui est un charmant hôtel particulier, deux ou trois rues plus loin. Alors vous-même, vous avez été une espèce d'infiltré. En France, est-ce que vous pouvez nous raconter, on reparlera de la Russie peut-être tout à l'heure si vous le voulez bien, mais de votre expérience d'espion en France, quelle était votre mission, qu'est-ce que vous avez fait et quels étaient vos objectifs et j'allais dire vos bons de commande de votre hiérarchie? Donc moi, pour rappeler un tout petit peu les dates, donc j'ai obtenu le diplôme de MGIMO, qui est l'équivalent de Sciences Po et l'ENA en Russie, qui forment les diplomates les cadres pour le commerce extérieur, pour tous les services extérieurs. Après, je suis rentré au KGB, au service d'espionnage du KGB. J'ai fait 3 années de formation dans l'école spécialisée, qui s'appelle maintenant l'Académie de renseignement extérieur, donc de 1984 à 1987. Après, je suis rentré au centre, à Yassenevo, donc le centre d'espionnage, ce qui est le quartier général de l'espionnage du KGB. Et puis après, j'ai été sur le terrain assez rapidement, d'abord à partir de l'URSS, et puis après, ma grande mission pour laquelle j'ai été envoyé en France, c'était d'infiltrer l'École nationale d'administration, ce que j'ai fait,
Et malheureusement, pour le KGB, le putsch de mois d'août de 1991 a précipité la fin du KGB, du service d'espionnage, du Parti communiste et de l'Union soviétique. Et donc, du coup, ma mission s'est terminée sans être... Reprécisons, donc vous avez passé et réussi le concours de l'ENA. Enfin, c'est pour les élèves étrangers, c'est pas exactement, ça se passe pas exactement de la même façon. On passe pas le concours, on est choisi par les services de l'ambassade et par l'ENA. Donc, bien évidemment, il y a un entretien, il y a un dépôt de candidature, mais on passe pas le concours pour les élèves français. Pardon, mais juste une chose, quand vous faites cet entretien avec l'ENA, etc., ils ne se disent pas une seule seconde que ça peut être dans le but d'infiltrer l'école ? À mon avis, ils le savent aussi. Pour eux, c'est quelque chose... Enfin, à cette époque-là, quasiment tous les Russes qui partaient, tous les Soviétiques qui partaient à l'étranger étaient plus ou moins employés par le KGB. La grande question était, est-ce que c'était un élément de carrière, un élément opérationnel de carrière, un officier de carrière, ou c'était un honorable correspondant des services. Donc, à mon avis, la France, à cette époque-là, ne se pose pas trop ces questions-là, en fait. Elle ouvre tout simplement l'école, parce que c'est le contexte international et des relations entre la France et l'Union soviétique qui le permettent. Et pour repréciser sur ceux qui se demanderaient, enfin, quand on disait que ça n'a jamais totalement arrêté, on citait dans notre enquête le travail de notre confrère Nicolas Hénin qui a publié un livre qui s'appelle La France russe et qu'on recommande chaudement. Mm-hmm. Il publiait des bouts d'une note d'un service de renseignement français qui expliquait... là, pour l'époque actuelle, enfin, sur ces deux ou trois dernières années, qui disait, je cite, « La moitié des diplomates russes en France sont des agents des services de renseignement, soit en gros une centaine de personnes, et auxquelles il fallait ajouter les agents dormants, c'est-à-dire les clandestins, et qu'au total, ça nous faisait plusieurs centaines de Russes en France qui seraient là, dont le travail principal serait d'espionner toutes les strates de... Et encore, on sous-estime beaucoup le niveau de l'espionnage russe réel. Parce que là, on parle de ce qu'on appelle l'espionnage légal. Ça veut dire que c'est pas parce que les activités qui pratiquent sont des activités légales et bienheureuses, mais parce que ils sont placés dans les établissements officiels de la Russie ou de l'Union soviétique. Ça veut dire les ambassades, les consulats, les représentations commerciales, les représentations culturelles, etc. Donc ça, c'est l'espionnage légal. Mais l'espionnage légal pour la Russie, classiquement, représente peut-être un tiers ou la moitié seulement des activités réelles de l'espionnage. Parce que la Russie, c'est un pays qui a sa propre vision de l'espionnage. Et pour l'Union soviétique et pour la Russie, c'est l'espionnage illégal qui représente le vrai espionnage. Ça veut dire qu'à la limite, les gens qui sont dans les ambassades, ces centaines de personnes qui sont à l'ambassade, ils sont là pour paralyser le travail des services de contre-espionnage français, parce qu'ils attirent tous les moyens, et on sait très très bien qu'actuellement, la majorité des moyens de la DGSI est plutôt fixée sur le terrorisme international, que sur l'espionnage. Donc du coup, il lui reste peu de moyens, et les peu de moyens sont bloqués par ces espions qui sont officiels. Donc du coup, tous les autres qui sont sur le terrain, qui sont les clandestins ou qui utilisent les couvertures non officielles, ils ont tout le champ d'action libre. On va revenir plus concrètement pour que les gens comprennent bien sur vous et votre mission. Alors juste en deux temps... J'ai vu que dans les années 90, c'est pas très glorieux peut-être pour nous, mais le KGB estimait que la France était un terrain d'entraînement et envoyait ses recrues qui sortaient de stage, enfin de ses écoles, pour s'entraîner parce qu'ils considéraient que c'était un terrain assez facile. Est-ce que vous, ça a été votre cas ? Non. Et non. Concrètement, vous êtes à l'ENA. Oui. Vous avez intégré l'ENA. Qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire, bon, vous suivez le cursus, mais votre activité d'espion, c'est-à-dire, vous faites des fiches sur des gens qui sont destinés à être l'élite de la République plus tard. Enfin, quel est concrètement le travail qu'on vous demande ? Le travail, il se partage en plusieurs éléments. Moi, j'appartiens au service des illégaux. Mmh. Le service des illégaux, c'est un service qui travaille à long terme. C'est pour vous dire que, par exemple, un illégal classique
Ça veut dire quelqu'un qui n'appartient pas au service. Ça veut dire que moi, je prends un passeport, on me donne le nom, je m'appelle François Dupont ou Pierre Legrand, peu importe, et on m'envoie quelque part, soit en France, soit à l'étranger, soit ailleurs qu'en France. Je peux, par exemple, jouer le rôle d'un Français aux États-Unis. Comme ça ça peut expliquer un tout petit peu les fautes que je commets de temps en temps, etc. Mais ça, c'est suffisant pour construire une légende pour travailler aux États-Unis. Moi, j'appartiens à ce service-là. Donc ce service-là, il travaille à long terme. Pour envoyer un agent, des fois, ça prend 10 ans, 15 ans pour se légaliser dans le pays dans lequel vous allez passer votre vie. Vous allez passer 20 ans, 30 ans, 40 ans. Dans ce pays, parfois seul, parfois en couple, hein, avec votre épouse qui est aussi... si vous êtes seul, votre mission est de trouver une épouse sur place et d'avoir la nationalité française par le mariage. Donc de vous légaliser, d'avoir les liens, de vous confondre dans la masse. En fait, la première mission, c'est vous confondre dans la masse. Moi, je ne suis pas un cas classique pour les clandestins, puisque j'ai gardé mon nom, j'ai été envoyé à l'ENA comme ça, en tant que soviétique. Donc, du coup, ma mission était différente, un tout petit peu différente. Bien évidemment, la première chose, j'étais le premier élève, on était deux premiers élèves. Il y avait un interprète, un diplomate du ministère des Affaires étrangères russe qui servait d'interprète à Gorbatchev et moi-même. Et donc, on était, en 1991, admis comme premier élève soviétique au cycle long de l'ENA. Bien évidemment, pour le service, c'était d'abord avoir le maximum d'informations sur l'école, comment elle est construite, quel est son fonctionnement, qui sont les professeurs, qui sont les élèves, etc. etc. Donc là, c'est quelque chose d'immédiat. Mais la principale mission, c'est tout simplement de s'introduire, parce qu'une fois lorsque vous êtes dedans, vous êtes dans l'annuaire de l'ENA, et puis vous pouvez contacter après n'importe quel énarque qui sont au nombre de 5, 6 000 ou 7 000 à peu près. Donc vous pouvez prendre l'annuaire dans lequel ils sont tous notés, vous avez tous les postes, les adresses, les emails, souvent les numéros de portable privés ou même les adresses personnelles. Et en tant qu'un ancien élève de l'ENA, c'est tout à fait naturel de leur poser des questions éventuellement sur une coopération, sur des questions de coopération franco-soviétique, franco-russe, etc. Voilà. Merci. Alors, on va voyager un petit peu dans le temps et dans l'espace. Monsieur Blanche-Maison, dans notre enquête publiée sur Mediapart, on expliquait que, par exemple, l'an dernier, le ministère des Affaires étrangères avait fait une formation pour certains de ses plus hauts cadres, pour les sensibiliser à l'espionnage typique russe. C'était pas en global, c'était vraiment centré sur les Russes, sur comment, quelles étaient les techniques d'approche et tout ça. Et on se demandait, vous, donc, quand vous prenez votre poste à l'ambassade de Russie, à l'ambassade de France en Russie, pardon, au début, dans le courant de l'année 2000, est-ce que vous avez subi une telle formation? Est-ce que, ou quelles ont été vos consignes, votre ordre de mission? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du début de cette expérience? D'abord, le stage à la DGSE, c'est pas une nouveauté. Peut-être qu'il a été reformaté dans le cas que vous citez, mais moi, au tout début de ma carrière, j'ai aussi passé une ou deux journées à la DGSE où on nous expliquait quelles étaient les techniques habituelles de pénétration, les techniques habituelles pour établir des contacts. Deuxièmement, il se trouve que dans ma carrière, j'ai été ambassadeur au Vietnam, pays régime communiste, comme vous le savez, et que j'ai beaucoup appris pendant mon séjour de 4 années au Vietnam. J'ai notamment appris que partout, j'étais repéré. D'abord, c'était facile, puisqu'à l'époque, il y avait encore un embargo américain, donc il y avait très peu d'Européens, très peu d'Occidentaux au Vietnam, et évidemment, nous étions repérés, suivis à la trace, écoutés, matin, midi et soir, avec quelquefois les espaces de respiration de ces systèmes totalitaires. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas encore de centraux téléphoniques automatiques au Vietnam, et lorsque j'appelais Paris, j'avais la demoiselle des PTT vietnamiens avec qui je discutais, parce qu'elle était chargée de faire le rapport. Donc elle parlait très bien français, et tout le monde savait qu'elle était affectée
au téléphone émanant de l'ambassade de France ou aboutissant à l'ambassade de France ou des ambassades francophones. Et on avait des rapports assez sympathiques, bien sûr. Je ne l'ai jamais rencontré, d'ailleurs, personnellement. Ceci, c'est une anecdote. Bien sûr, lorsqu'ensuite les centraux téléphoniques automatiques sont arrivés, ils ont été vendus avec le service d'écoute incorporé. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde entier. Tous les grands fabricants de centraux téléphoniques automatiques vendent le système d'écoute incorporé. Bon, donc, arrivant à Moscou, le postulat de départ, c'est qu'en effet, j'ai été écouté, observé de partout. De toute façon, l'ambassadeur, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, est un peu comme un poisson rouge dans un bocal. C'est-à-dire que tout le monde observe ce qu'il fait, qui il rencontre. Chaque ambassade, sauf peut-être les ambassades soviétiques puis russes, ont des employés locaux. Les employés locaux, c'est très intéressant, les employés locaux, parce qu'ils savent des tas de choses. Ils voient des tas de gens aller venir, rentrer, qui est reçu à l'ambassade, éventuellement, qu'est-ce qu'on raconte. Donc, le postulat de départ, c'est qu'on est en permanence écouté. Et si quelque chose est secret, ben, on n'en parle pas. Si quelque chose est secret, on prend l'avion et on vient en parler à Paris pour en parler à la personne à qui on doit en parler. Cela dit, on prend des précautions. Alors, à Moscou, on a gardé les précautions de l'époque soviétique. C'est-à-dire que les ambassades sont dotées de chambres sourdes. Alors, ça donnait lieu à des romans. Une chambre sourde, c'est une sorte de cage de Faraday qui est complètement isolée de l'extérieur, isolée de toute possibilité de communication électrique ou radiologique. Et donc, on tient les réunions politiques tous les matins dans la chambre sourde. Ça fait partie du folklore. Les pays occidentaux, l'ambassadeur américain, l'ambassadeur britannique, l'ambassadeur allemand et l'ambassadeur français se rencontraient dans l'une de leurs chambres sourdes, une ambassade chaque semaine, pour discuter également de la situation à Moscou. Alors que le régime était, en 2000, c'était un régime ouvert. On pouvait rencontrer qui on voulait, à l'intérieur du système du pouvoir ou et à l'extérieur du système de pouvoir. Et à l'époque, tout le monde parlait très librement. Mais évidemment, on ne savait jamais si la personne qui vous parlait très librement et critiquait vertement le Kremlin n'avait pas été formée par la branche libérale du FSB ou par la branche libérale du SVR. Parce qu'effectivement, le génie de ces services, mais les nôtres font probablement la même chose, permettez-moi aussi de leur rendre hommage, c'est-à-dire qu'ils fabriquent, des produits divers et variés, y compris des produits qui savent tenir un discours libéral et qui savent séduire. Et à Moscou, il y a un certain nombre de gens qui ont leur ronde serviette au Kremlin, qui très souvent sont invités à déjeuner, à dîner ou à petit déjeuner dans telle ou telle ambassade occidentale, qui racontent des horreurs sur le président de la Russie, mais qui en même temps, on voit bien quand on l'épouse dans le retranchement, il y a des limites, il y a des lignes rouges, et par conséquent, le doute demeure. Qui sont-ils vraiment? Et donc la règle, c'est de se méfier et de ne rien céder. Ça, c'est la formation de base. Les gens qu'on rencontre aussi socialement, alors bien sûr, en plus en Russie, c'est un mythe, en plus tout le monde a lu les romans policiers. Poutine se vantait d'ailleurs d'être un fervent lecteur de John le Carré. C'est pas par hasard. Mais c'est vrai qu'en Russie, c'est un mythe. Le matin, je raconte ça dans mon livre d'ailleurs, je rencontrais très souvent un électricien russe qui faisait partie du personnel local de l'ambassade, qui se promenait dans le couloir qui séparait l'endroit où j'habitais de l'endroit où il y avait mes bureaux, et qui m'expliquait qu'il remplaçait les ampoules tous les matins à la même heure avec un escabeau sur le bras. Peut-être était-il en train de perfectionner un système d'écoute, de relever les compteurs, peu importe, ça ne me dérangeait pas, parce que personnellement, je n'avais rien à cacher, et si quelque chose était secret, je n'en parlais évidemment pas, ni dans ma salle à manger, ni dans mon appartement privé. C'est un tel mythe, le KGB. On a publié il y a quelques mois une enquête sur les services secrets de l'État islamique, et dans les tutoriels à disposition pour les djihadistes, ils faisaient référence, leur principale référence, c'était des opérations du KGB. Donc même les djihadistes regardent ça avec beaucoup d'intérêt. Cela dit, le mythe est tellement important à Moscou que les responsables russes en plaisantent. Moi, je me souviens d'un repas où il y avait le chef du SVR, le SVR, puisque le KGB était coupé en deux. Ouais. Le SVR, c'est la partie externe, c'est donc la DGSE. Et comme il y a des contacts officiels, le chef de la DGSE de l'époque était venu en mission pour rencontrer son homologue russe, comme ça se fait très couramment. Et bien sûr, j'avais organisé un dîner pour ce haut fonctionnaire français et son homologue russe. Et à la fin du dîner, l'ambiance était sympathique et ce haut fonctionnaire russe
me dit « Monsieur l'ambassadeur, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans votre ambassade, passez-moi un coup de téléphone. » Et il a hurlé de rire, il trouvait ça très très drôle. Et en effet, tous les Russes sont comme ça, on en plaisante tous les jours, parce que les services secrets étant réputé être un peu partout, même si ça n'est pas toujours le cas, eh bien, c'est devenu un sujet de conversation et de plaisanterie courante, même chez les responsables russes de ces services. D'ailleurs, à cette époque-là, j'étais assez couramment invité à l'ambassade de France lorsque M. l'ambassadeur était en poste, jusqu'à 2001. Oui, parce que vous étiez peut-être, on va préciser, vous étiez attaché, enfin, le journaliste accrédité, si je puis... Résumé, C'était pas ça, mais disons qu'en fait, c'était plus à cette époque-là, parce qu'en fait, ce journalisme-là a pris fin en 96, mais jusqu'à 1996, pendant 14 ans, j'animais les services, les émissions en français à la télévision centrale de Russie. Donc, bien évidemment, dès que on a eu l'ouverture des relations avec l'Occident, moi, je passais quasiment 24 heures à l'ambassade. Juste puisque on était dans le mythe, j'ai une question assez simple. Est-ce que ce qu'on peut lire dans des romans policiers, c'est-à-dire la question des femmes concrètement, est-ce que c'est de l'ordre du fantasme ou est-ce que vous avez touché cette réalité de près, c'est-à-dire une corruption de... C'est pas du tout un fantasme. C'est évidemment la réalité. Je veux dire, un service utilise tous les moyens dont il peut disposer pour aboutir à ses fins. Et en effet, ses fins, c'est certainement d'obtenir des informations, d'obtenir de bons renseignements, ou de déstabiliser tel ou tel responsable de l'autre côté. Et bien sûr, les femmes ou les hommes d'ailleurs, peuvent être utilisées dans ce dispositif. Mais ça veut dire que concrètement, on se méfie de tout le monde. On ne se fait pas d'amis en Russie quand on est ambassadeur de France. On se fait des amis, mais on ne leur raconte pas ce qu'on ne doit pas leur raconter. D'accord. Bien sûr, oui, puisqu'il y a toujours un petit doute quand même, quelque part, n'est-ce pas ? Donc, c'est ça, dans le fond, la vraie formation que nous avons. Surtout que nous appartenons à une société ouverte. La preuve, c'est qu'on prend des Russes sans beaucoup de précautions, ça avait l'air de vous choquer, à l'ENA, parce qu'on n'a rien à cacher. On est une société ouverte et dans le fond, c'est très subversif, dans notre sens et à notre bénéfice, parce qu'ils voient combien notre société est ouverte. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il habite en France. Et alors, monsieur Blanche-Maison, puisque vous avez des amis partout et que certains de leurs profils nous intéressent, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, ce dîner que vous organisez, où vous avez le représentant de la DGSE qui vient et qui rencontre son homologue russe. Il l'avait rencontré avant, oui, c'était le dîner social. Mais là, le dîner social avec l'ambassadeur de France en Russie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'y dit? Parce que pour nous, nous sommes rarement invités à ce genre d'agape. Non, mais c'est la partie officielle. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous l'ai dit... Vous étiez tous les trois ou c'était vraiment quelque chose de représentation avec... Non, il y avait des collaborateurs des deux côtés. Donc en tout, il devait y avoir une dizaine de personnes au maximum. Y compris les interprètes. Donc c'est un repas de travail. Et comme je vous l'ai dit, les services des grands pays ont des contacts institutionnels. Et d'ailleurs, ont des représentants à visage découvert dans les ambassades pour entretenir ces contacts institutionnels. Et par conséquent, dans ces contacts institutionnels, on parle de beaucoup de choses. Alors sans doute, en dehors du dîner, dans le bureau du chef du SVR russe, ils ont évoqué des problèmes opérationnels, et je n'y étais pas. Mais pendant le dîner, on crée aussi du lien social, parce que c'est important de créer du lien social pour avoir des échanges. Et en effet, il y a des sujets sur lesquels on a peut-être des informations à échanger, parce qu'on a aussi des ennemis communs. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on disait en lancement de cette émission. Alors, je vais peut-être vous poser une question naïve, mais effectivement, on a dit qu'il y avait beaucoup de diplomates dans les ambassades russes qui étaient des espions, et c'est vous l'avez dit, dans le sens inverse. C'est exactement la même chose dans toutes les ambassades et de tous les pays. Et vous, Non. L'ambassade de France, vous n'avez pas la moitié des peut-être diplomates pas, qui sont alors, des espions. Peut-être pas la proportion, je vous laisserai. Oui. Mais, nos méthodes sont différentes. Il y a quand même des gens qu'on retrouve, vous l'avez dit, il y a des gens de la DGSE officiellement. Ah oui, c'est affiché. Il peut en avoir d'autres de manière moins officielle. Et alors j'imagine que vous êtes à peu près quand même au courant de qui fait quoi dans votre ambassade. Et moi, je me pose une question toute bête. Statutairement, ces espions, qu'ils soient là à titre officiel ou un peu moins dans votre ambassade, vous qui êtes l'ambassadeur, est-ce qu'ils vous rendent compte ou est-ce qu'au contraire, ils sont totalement indépendants de vous et
vous faites semblant d'être leur supérieur hiérarchique. Voilà. Comment ça se passe, les relations entre un ambassadeur et les gens de la DGSE qui sont à l'intérieur de l'ambassade? Alors, comme vous le savez, dans le système français, l'ambassadeur est le responsable hiérarchique de tous ceux qui appartiennent à des services de l'État. Et par conséquent, il a la responsabilité pleine et entière, et ils lui doivent la loyauté, c'est-à-dire, en effet, de lui faire des rapports sur ce qu'ils font et de dialoguer avec lui et d'échanger, puisque c'est l'ambassadeur qui a la responsabilité globale. C'est le cas, bien sûr, aussi pour le représentant de la DGSE. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, il y a un très grand nombre de correspondants qui, eux, sont dans la nature, qui sont hommes d'affaires, qui sont professeurs, qui sont journalistes, qui sont autre chose, et l'ambassadeur n'a pas à en connaître, puisqu'ils n'appartiennent pas au service de l'ambassade. Et évidemment, si ça devait être le cas pour tel ou tel agent de l'ambassade, eh bien là, il y a en effet peut-être une zone grise, mais l'activité de renseignement occulte n'est pas le travail de l'ambassadeur. Non, je ne dis pas que vous étiez le chef des espions. Parce que je demande, c'est, voilà, est-ce que les espions qui sont à l'intérieur de l'ambassade vous rendent compte de leur activité, des secrets qu'ils peuvent ramener ? Chacun sait à quoi s'en tenir sur le rôle de chacun dans l'ambassade. Par les questions opérationnelles. Les espions ne rendent jamais compte à l'ambassadeur sur les questions opérationnelles. En revanche, le chef d'antenne d'espionnage, quand il y a des opérations dangereuses, il peut prévenir l'ambassadeur qu'il peut se passer des choses. Si jamais les espions sont pris sur le terrain, l'ambassadeur doit être prêt pour faire face à la réaction du ministère des Affaires étrangères du pays d'accueil. Ou bien des opérations de libération d'otages nationaux. Par exemple. Ça m'est arrivé, puisque quand je suis arrivé à Moscou, il y avait malheureusement un photoreporter français, Brice Letiot, qui était détenu par les Tchétchènes depuis 8 mois, et que là, nous avions une coopération importante avec les services russes pour le libérer. Et j'ai eu de la chance professionnellement, puisqu'il a été libéré quelques semaines après mon arrivée par l'action des services russes en collaboration avec les services français. Quand vous avez dit « tous les pays ont des espions », ça, c'est un mythe. Dans l'espionnage, c'est une activité qui coûte extrêmement cher. Donc il y a très peu de pays qui vraiment ont des services d'espionnage qui sont effectifs. Ça veut dire qu'il y a à peu près une dizaine de pays dans le monde qui ont des services dignes de son nom. Tout le reste, c'est du folklore. Il y a un autre sujet qui a été abordé par Vladimir Poutine et Emmanuel Macron pendant le voyage. Finalement, un peu le seul sujet qui se rapproche d'une autre ce soir, c'est la question des cyberattaques. Et visiblement, si on a bien compris ce que les uns et les autres, enfin ce que les deux nous ont dit en français et en russe, ils se seraient mis d'accord pour élaborer une sorte de charte sur les bonnes pratiques ou les interdictions en matière de cyberespace. Au regard de ce qu'on a pu observer pendant notamment les campagnes présidentielles aux États-Unis, mais aussi en France, est-ce que finalement, quand Vladimir Poutine dit aujourd'hui « je suis d'accord pour travailler avec la France sur ce sujet », est-ce que ce n'est pas un peu une vaste plaisanterie ? Non, je crois que là-dessus, si vous permettez, je crois que Macron était très bon, tactiquement, puisqu'en effet, le président russe, les cyberattaques, ce n'est pas le gouvernement russe. Ce n'est pas le gouvernement russe. Ouais. Donc Macron l'a mis au pied du mur, puisque ce n'est pas le gouvernement russe. Faisons une coordination pour lutter ensemble contre les cyberattaques. Et en effet, il est au pied du mur. On va bien voir ce qui en résulte concrètement. Mais puisque la thèse officielle, c'est en Russie, ce n'est pas le gouvernement qui fait ça, c'est des officines privées. Bon, bah, très bien. Alors, les gouvernements peuvent coopérer pour lutter contre ces cyberattaques qui sont en effet un sujet d'une extrême actualité. Et il en résultera quelque chose. Peut-être que ça ne permettra pas de contrer toutes les cyberattaques, parce qu'il y a tout un tas de cercles concentriques. Il y a le gouvernement, il y a des agences qui sont plus ou moins éloignées du gouvernement, et puis il y a des officines qui sont complètement privées et qui ont le soutien de telle ou telle agence gouvernementale. Donc, il va falloir voir ce que ça donne, mais c'est un sujet, en effet, très important. Et je pense que la proposition qui a été faite a une valeur tactique certaine et peut-être produira-t-elle quelques résultats. En revanche, pendant la conférence de presse de Poutine et de Macron, je ne sais pas si le spectacle le plus intéressant, c'est, ça ne se passait pas sur scène. Ça veut dire qu'eux, ils parlaient, et en fait, si vous avez regardé ça à la télévision, ce qui était intéressant, c'est de regarder Shoigu, c'est de regarder tous les officiels qui étaient dans les rangs des gens qui étaient présents dans la salle, et qui rigolaient quasiment ouvertement.
Alors, en même temps, sur les cyberattaques, il ne peut nous arriver à Mediapart d'être un peu critique avec les services de renseignement français sur des ratés, sur les attentats. Il faut bien dire que sur les cyberattaques, peut-être instruits de l'exemple américain pendant la présidentielle, les services français ont été plutôt bons, ont briefé les candidats, et ce qui fait que ça soit le Macron-Leaks ou d'autres choses, l'effet a été largement contenu. C'était notre minute de bonté. Par contre, j'aimerais vous poser une question tous les deux, qui c'est quelque chose qui suscite énormément de fantasmes, y compris dans les services des fois, et on n'a jamais de réponse. On ne s'attend pas à ce que vous nous donniez une réponse ferme et définitive, mais vous savez, en France, à Paris, il y a cette église orthodoxe qui a été voulue, projet poussé par Vladimir Poutine, qui est construite quai Branly, à deux pas du quai d'Orsay. Et au-dessus de cette église, il y a ces cinq bulbes dorés proéminents. Vous souriez, monsieur l'ambassadeur, vous voyez où je veux arriver. C'est que beaucoup se disent, mais c'est en fait un centre... On a laissé les Russes construire là quelque chose qui est complètement opaque, sur lequel on n'a pas de contrôle. Et en fait, ils ont mis un centre d'écoute et ils sont en train d'aspirer toutes les conversations, notamment celles entre le ministère des Affaires étrangères et éventuellement l'Élysée, et qui sont moyennement sécurisées, nous dit-on. Et donc, ces bulbes, qu'est-ce que ça cache ? Non, moi, je partage l'ironie dont faisait preuve le directeur du SVR dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, il n'était pas le seul, puisque le ministre de l'Intérieur, m'avait, à qui je demandais d'avoir un factionnaire en uniforme devant la porte de l'ambassade, puisque nous n'en avions pas, m'avait répondu « Écoutez, monsieur l'ambassadeur, si vous voulez que je batte en uniforme tous mes agents russes à l'intérieur de l'ambassade, vous n'aurez que des casquettes grises. » Et il a hurlé de rire, puisque c'était amusant, là aussi, dans la logique locale. Bon, alors, si vous voulez, là, je crois que, là aussi, moi j'en plaisante, d'ailleurs couramment, oui, pourquoi pas, le centre cultuel et culturel, bien entendu, un centre culturel et culturel est forcément un centre d'écoute des gens dans le besoin, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Alors, bon, j'imagine que les services spécialisés en savent un peu plus, parce qu'on a quand même les moyens de détecter les ondes et de détecter ces instruments-là. Donc, je crois que c'est un peu une plaisanterie. C'est beaucoup une plaisanterie, parce que déjà, l'ambassade de Russie possède tous les éléments nécessaires pour ça. Pour écouter le ministère des Affaires étrangères. Et pour écouter, même au-delà de territoire français. Donc c'est un mythe. En revanche, ce qui est beaucoup plus déplaisant, c'est la réalité. La réalité, c'est que l'Église orthodoxe russe, à l'étranger, c'est une antenne de l'espionnage russe. Et ça, malheureusement, personne n'en parle. Parce que vous avez, par exemple, le département des relations internationales de l'Église orthodoxe russe. Depuis Staline, ce département était un département, quasiment une direction autonome de l'espionnage soviétique et russe. Et à l'époque actuelle, c'est quelque chose de plus important, puisque le nombre de prêtres qui sont présents, de prêtres orthodoxes russes qui sont présents à l'étranger, a été multiplié par 10, par 20, par 30. Maintenant, les centres, les églises, les chapelles s'ouvrent un peu partout. Les centres culturels, avec une consonance orthodoxe, s'ouvrent partout. Et c'est une antenne d'espionnage. Ça veut dire que les personnes, les pauvres Français, enfin, les Français naïfs qui viennent admirer la culture russe et la foi orthodoxe dans cette église, en fait, ils sont les cibles d'approche des espions, qui sont les espions avec les robes des prêtres. Oui, ça, c'est une réalité. J'ai une autre question qui n'est pas tout à fait dans l'ordre de l'espionnage, mais enfin tout de même dans celui de l'ingérence, qui avait été soulevée par Emmanuel Macron fin mai quand il avait reçu Vladimir Poutine au château de Versailles, qui est la question des médias dits liés au Kremlin et à la forme de propagande qu'ils peuvent mettre en place. Donc lui, il ne les avait pas nommés à l'époque, mais nous, on va le faire. Donc c'est Russia Today et Sputnik principalement. La question, en fait, que je me pose, c'est est-ce que ces journaux dans lesquels s'expriment souvent des figures politiques françaises que l'on connaît bien comme étant pro-russes, je pense notamment au LR Nicolas Dhuicq et Thierry Mariani, est-ce que ces médias ont un vrai poids ? Est-ce que c'est vraiment un danger
comme l'avait un petit peu souligné Emmanuel Macron. Quelle est vraiment la réalité de cette propagande, ou est-ce que c'est finalement assez marginal et on en fait un peu ici des caisses sur le sujet ? Moi, je crois que ils ont un poids et ils représentent un danger. Moi, je considère ça. Et je suis d'accord avec la personne, malheureusement, qui n'est pas là, Gala Ackermann, qui a lancé l'année dernière même une pétition d'interdiction de diffusion de ces émissions en France. Parce que le problème, c'est que vous avez par exemple à Internet, maintenant les gens se méfient quand même de l'information qui circule sur Internet. Ils ont déjà un peu le réflexe de vérifier est-ce que c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais lorsque vous avez un média entre guillemets traditionnel, télévision, radio, etc., les gens se méfient beaucoup moins. Donc ils prennent souvent comme argent comptant ce qu'on leur raconte. Et Russia Today et Sputnik, c'est les médias qui sont très intelligents. Ça veut dire qu'en fait, un bon mensonge, ce n'est pas de mentir 100%. Un bon mensonge, c'est 95% de vérité et 5% de mensonge. Et là, c'est leur spécialité, à mon avis. Et donc, pour moi, c'est effectivement les médias dont il faut se méfier, et y compris parce qu'ils sont dans la nature, parce qu'ils ne sont pas liés à l'ambassade, parce qu'ils se présentent comme les médias autonomes, traditionnels, indépendants, qui soulignent leur indépendance. Mais bon, en même temps, j'ai été invité chez vous et chez Spoutnik. Bah, Spoutnik, lorsqu'ils ont lu ma biographie sur Internet, du coup, cette invitation, je l'attends toujours. Pourtant, ils m'ont invité il y a 3 semaines. Oui, je relativiserai un tout petit peu, parce que c'est vrai que la crédibilité des médias que vous avez cités est très faible. Et le risque que ce qu'ils racontent soit pris pour argent comptant, en réalité, ça ne touche que les gens qui sont déjà convaincus, qui sont déjà dans leur camp, si j'ose dire. Alors, comme ils ont un problème de crédibilité, actuellement, ils développent en effet une stratégie qui consiste à sortir des invités de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, ou des gens dont vous parliez tout à l'heure, pour diversifier davantage leurs intervenants. Et de façon à... Encore une fois, leur défi principal aujourd'hui, c'est la crédibilité. Moi, je crois à la liberté de l'information, et je pense que tant que les gens n'appellent pas la population à commettre des délits, il faut les laisser raconter leurs histoires sur leurs antennes. En même temps, au-delà de ces médias, c'est le chercheur Olivier Schmitt qui, dans son livre « Pourquoi Poutine est notre allié ?» un titre légèrement ironique, décrit bien, vous l'évoquez là juste, c'est qu'il y a aussi une originalité à l'heure actuelle, c'est que nous avons des hommes politiques qui embrassent tout le champ de la politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais dans tous les partis quasiment existants, qui tiennent tous à peu près un même discours pro-russe, et ce chercheur donnait 3 ou 4 axes, de mémoire c'est Vladimir Poutine, lui, est un vrai chef d'État, et donc les autres seraient des faibles, des mous. Les valeurs russes sont très proches des valeurs françaises. Et enfin, quand on fait le bilan, les Russes sont pas pires que les Américains, donc pourquoi pas. Et donc nous avons des gens qui, dans tout le champ politique, prônent un éloignement de l'Union européenne et, par exemple, de structures comme l'OTAN, et d'un rapprochement vers la Russie. Et, par exemple, on citait dans un de nos précédents papiers Arnaud Danjean, donc le député européen qui est un ancien de la DGSE. Nous aussi, nos espions sont un peu partout dans le spectre de notre société, qui disait, mais quand j'entends certains hommes politiques, et là c'est un homme politique qui parle, il dit, quels que soient les partis, ils reprennent les mêmes éléments de langage, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on leur a soufflé la réponse. Donc ma question va être simple et abrupte, est-ce que les hommes politiques français, certains hommes, sont trop complaisants vis-à-vis de la Russie ? Est-ce qu'ils sont sous emprise ? Certains le sont incontestablement, mais ce que vous décrivez là est en train de changer un tout petit peu. Lorsque vous l'écrivez, en effet, c'était le cas avant l'élection présidentielle en France, le fait que les médias russes se réjouissaient de tout ce qui arrivait, de tout ce qui pouvait arriver de négatif dans l'Union européenne, se réjouissaient du Brexit, se réjouissaient de l'affaire catalane, et pratiquement nous prédisaient l'explosion de l'Union européenne.
Bon, il se trouve que, contrairement à leurs souhaits d'ailleurs, c'est Macron qui a été élu, et sur un ticket totalement européen, totalement européen. Donc vous noterez qu'aujourd'hui, le logiciel est en train de changer. Le discours anti-européen a été balayé sous le tapis. L'ambassade de Russie France, ne tient plus de discours anti-européen. Non, à l'intérieur de Russie, il continue de faire exactement la même chose. À l'intérieur de la Russie, mais moi je sens, je sens que certains responsables russes ont senti le vent tourner, et c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle le président de la République, à Saint-Pétersbourg, il l'avait dit 15 jours avant dans une interview sur la politique, sa politique étrangère au JDD, a insisté sur l'Europe. Et il a dit, pour moi, la Russie est européenne, je ne veux pas laisser la Russie se recroqueviller sur elle-même, et je veux arrimer la Russie à l'Europe. Il l'a répété trois fois à Saint-Pétersbourg, sans être contredit par personne. Oui, et c'est vrai que c'est un axe très important, et je crois que là, la majorité parlementaire française actuelle est dans ce sens très pro-européenne, et que les Russes, qui sont pragmatiques, en tout cas les dirigeants russes qui sont pragmatiques, ont pris le virage. Mmh. En effet, en France. En effet, en France. Alors, mais si on arrive à peu près au terme de ce premier débat, il m'apparaît manifeste que Mme Ackermann ne nous rejoindra pas. On l'attendait notamment parce que l'actualité s'est invitée aussi dans la préparation de ce live, avec cette histoire qui a suscité une grande émotion hier soir avec l'annonce de l'assassinat d'un journaliste russe très critique vis-à-vis de Poutine en Ukraine, et la découverte et l'annonce spectaculaire aujourd'hui, nous, on nage en plein roman d'espionnage, du fait que c'était une mise en scène, que le journaliste est bien vivant, et que c'était, d'après ce qu'on a compris, en fait une mise en scène pour essayer de découvrir ceux qui voulaient vraiment le tuer. Il se trouve que Mme Ackermann connaissait, c'était pas pour ça qu'on l'invitait, mais elle connaît très bien ce journaliste. Alors, peut-être, M. Girnoff, ça sera notre dernière question, je pense. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Et surtout, vous êtes déjà exprimé sur cette question, est-ce que vous vous sentez menacé? On a parlé déjà de Skripal, qui était un agent double, donc qui a abandonné la cause pour laquelle il était embauché au départ, qui a été victime d'une tentative d'empoisonnement. Est-ce que vous, au quotidien, vous vous sentez menacé? Voilà. La menace russe est réelle. Donc, pour vous donner l'idée, le quartier général de Yassinevo, vous prenez le quartier général de Yassinevo, que moi j'ai connu du temps de l'Union soviétique. L'Union soviétique à l'époque, c'était 15 pays avec 290 millions d'habitants. La Russie représente actuellement la moitié de l'Union soviétique. Et le quartier de Yassinevo, non seulement il s'est rempli de la même façon que du temps de l'Union soviétique, mais il a été reconstruit et on a rajouté deux fois plus de bâtiments. Ça veut dire que l'espionnage russe actuel est quatre fois supérieur à l'espionnage de l'Union soviétique au temps de la guerre froide. C'est pour vous donner l'idée. Vous avez dit déjà dans votre papier à Mediapart que, effectivement, on parlait de, on se rapprochait un tout petit peu du même niveau. On l'a dépassé largement. Donc, les services russes sont très actifs, très agressif à l'étranger. Et bien évidemment, toutes les personnes qui sont considérées comme des traîtres, qui sont parties, sont les cibles pour les services spéciaux russes. Les journalistes qui travaillent en Ukraine, les journalistes russes qui racontent cette agression russe que moi, je considère... Poutine, il ment là-dessus, parce qu'il dit que c'est les Ukrainiens qui se battent entre eux. Sur l'annexion de la Crimée. Sur l'annexion de la Crimée et surtout sur la guerre à l'est de l'Ukraine. Il ment, parce que c'est les Russes qui se battent. Moi, j'ai mon cousin qui faisait partie du KGB, qui est parti là-bas. Donc c'est un Russe, et lui, il s'est présenté, on lui a donné le passeport ukrainien, et lui a dit, voilà, maintenant tu es ukrainien, tu te bats contre les Ukrainiens. Mais il était Russe, et il y a plein de gens comme ça. Et donc bien évidemment, on est menacé. Mais en même temps, on est résigné. Quand on a fait partie du service des espionnages, on est résigné, on vit avec le risque en permanence. Mais est-ce que vous êtes protégé?
Ça, c'est une question qui me gêne, parce que si je raconte tout, tout à la télévision, juste... disons que comme c'est diffusé sur les télévisions, je dis jamais tout ce qui concerne ma protection. En revanche, il y a autre chose aussi, et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, c'est que dans tous les métiers de secret, dans tous les métiers d'espionnage, lorsqu'on en sort de ces métiers-là, la seule protection, c'est la lumière. Donc, d'être exposé, d'être invité chez vous, d'être invité sur France 2, d'être invité sur d'autres chaînes, c'est une sorte de protection. Et Skripal, justement, pourquoi on l'a attaqué ? Parce qu'il était dans l'anonymat et les gens croyaient qu'il n'était pas protégé. En revanche, celui qui a inventé l'affaire Skripal, on devrait le décorer dans les 26 pays qui ont expulsé 152 espions russes et on devait le fusiller chez Poutine, normalement. Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin de ce premier débat. Merci à nos invités. Alors, pour la suite, nous aurons donc Fabrice Arfi qui va nous présenter, je vous disais au lancement de cette émission, le 7e art a été beaucoup à la traîne sur le monde du renseignement. Il se trouve que depuis quelques années, 2 ou 3 ans, la France rattrape son retard, notamment avec cette série « Le Bureau des légendes » qui raconte de l'intérieur... la DGSE de manière plutôt réaliste. Nous avons interviewé Éric Rochant, son créateur. L'interview va être diffusée dans les minutes qui viennent. Et Fabrice va interviewer Yves Trottignon, qui est un ancien de la DGSE, qui sort un livre prochainement qui analyse les ressorts de cette série et qui nous dira ce qu'il en pense. Donc restez avec nous sur Mediapart Live, le bal des espions, ça continue. Bonsoir à tous, c'est la suite de notre Mediapart Live consacré au bal des espions. Après avoir parlé des mythes, fantasmes et réalités des infiltrations russes dans le royaume du secret, on va s'intéresser aujourd'hui et maintenant au 7e art, au monde du cinéma et comment il peut raconter, digérer, fantasmer lui aussi peut-être le monde du renseignement à la faveur d'une série qui a beaucoup fait parler, beaucoup fait couler d'encre depuis quelques années, une série française qui s'appelle Le Bureau des légendes. Alors on a un invité ce soir, Yves Trottignon, bonsoir. Bonsoir. Qui est un ancien cadre de la DGSE, un ancien diplomate, aujourd'hui consultant et enseignant à Sciences Po, et qui est l'auteur d'un ouvrage, Politique du secret, regard au pluriel sur le Bureau des légendes. Alors avant d'en parler avec vous, Yves, on va regarder une petite vidéo, un entretien que
le créateur du Bureau des légendes, Éric Rochant, a gentiment accepté de nous consacrer à Raphaël Mailly et Mathieu Suc, que vous venez de voir et que vous reverrez après dans l'émission. On regarde tout de suite Éric Rochant et après on en discute en plateau. Monsieur Rochant, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Dans le cas du Bureau des légendes, la fiction anticipe régulièrement la réalité. Dans la deuxième saison, vous brossez le portrait d'un djihadiste qui va ressembler à Rachid Kassim, qui n'était pas encore connu. Et la quatrième saison que vous êtes en train de monter s'intéresse à la Russie, alors que l'affaire Skripal a éclaté au niveau mondial et que récemment et plus localement, l'Obs ou Mediapart ont révélé qu'il y avait eu des tentatives de tamponnage d'espions russes en plein Paris. Donc ma question, c'est comment choisissez-vous le thème de chacune de vos saisons, puisque c'est plutôt bien inspiré. Alors d'abord, on lit beaucoup les journaux, on lit beaucoup l'actualité, on les analyse aussi, on essaye de faire pas de la prospection, mais on essaye de s'intéresser à ce qui est le plus d'actualité, mais une actualité qui ne serait pas ponctuelle, c'est-à-dire qui couvrirait plusieurs années. Il y a des sujets dont on sait parfaitement qu'ils ne seront pas réglés en 2 mois. Donc c'est vrai que le conflit en Syrie, Irak, la lutte contre Daesh, on savait parfaitement que c'était pas... Enfin, même si on a pu croire à un moment donné que ça allait être réglé rapidement, on savait très bien que c'est un truc qui ne se règle pas. Si on ne voulait pas prendre de risques, on parlerait du conflit israélo-palestinien. Comme ça, on saurait qu'on serait toujours dans l'actualité. Donc c'est ça qui est bien. Il y a certains conflits, des nœuds géostratégiques et en géopolitique qui malheureusement ne seront pas réglés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée de la Russie, le retour de la Russie sur la scène internationale s'est dessiné il y a 2-3 ans. On pouvait déjà en voir le vrai retour, hein. On pourrait en voir les prémices, mais l'entrée de la Russie dans la guerre en Syrie a été vraiment le point important qui montrait le vrai retour de la Russie, et d'ailleurs qui a été plus ou moins concomitant avec le retour de la mauvaise relation entre les Russes et les Américains, et d'ailleurs même les Français et les Anglais. Tout ça préparé par l'Ukraine. Donc voilà, donc le retour de la Russie, c'était quelque chose qui allait arriver, qui manifestement ne va pas repartir. La Russie est présente, de nouveau présente sur la scène internationale, et ne va pas partir avant longtemps. Donc quelque chose avec lequel on doit traiter. Tout ça, c'est pareil que par exemple l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup dans la saison 4, et la cyberguerre, les cyberconflits, la cybersécurité dont on parle dans la saison 4, c'est quelque chose qui évidemment est en point depuis un certain nombre d'années et devient probablement beaucoup plus prégnant maintenant, et c'est pour ça qu'on en parle. Donc en fait, il n'y a pas d'anticipation, on n'essaie pas de courir après l'actualité, en fait on essaie juste de voir quels sont les points qui peuvent couvrir plusieurs années, qui sont des lames de fond, qui sont des fractures un peu telluriques. Du coup, en parler nous met à l'abri d'une certaine manière des aléas de l'actualité, plus ou moins. Et puis on aime bien aussi, et c'est l'intérêt de faire une série d'espionnage, on aime bien parler des choses les plus profondes. Et ne pas, on n'a pas envie de rester collé à des choses ponctuelles, des petites historiettes, ce qui nous ramènerait plus dans le polar, ou ce qui est intéressant dans les romans d'espionnage, mais comme dans les films d'espionnage, c'est que tout d'un coup on parle de choses très très grosses qui concernent des pays, qui sont plusieurs nations, plusieurs pays et plusieurs années. Donc voilà, on parle de choses plus profondes. Et du coup, alors évidemment, nous après, il faut qu'on traduise ça en histoire. Il faut qu'on traduise ça en personnages, en histoire qui implique émotionnellement des personnages. Mais le choix des thèmes se fait en particulier en réfléchissant à ce qui peut être des thèmes de fond. Voilà. Donc le conflit au Moyen-Orient, qui n'est certainement pas terminé, nous amène à faire des analyses, par exemple. Alors après, qu'on essaie de croiser avec les analyses qu'on peut lire à droite à gauche, mais nous amène à faire des analyses qui fait que la fin de Daesh, tout le monde le sait, ne réglera pas le problème. Il y aura
des nouvelles figures de Daesh. Il y en a déjà quelques-unes qui apparaissent. Et en fait, le problème du conflit chiite-sunnite dans cette région est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus tellurique qui fait qu'on n'a pas besoin de courir après l'actualité à en parler, quoi. Où puisez-vous vos sources d'information, enfin votre inspiration plutôt? Tout à l'heure, vous nous avez mentionné, et vous le faites souvent dans vos entretiens, des romans d'espionnage, des films. Voilà, quelle est la part, que ce soit vous-même ou votre équipe? Est-ce que c'est de la source ouverte, du traitement, du suivi de l'actualité, de la fiction? On y viendra à la question sur la DGSE, bien sûr, mais comment ça s'organise tout ça? Nos sources, nos sources d'inspiration, c'est 80% de journalisme, hein, 80% d'investigation et de journalisme, ça c'est sûr. Et il y a très peu, en fait, un petit pourcentage de romans, parce qu'en fait, les romans, on les a intégrés, l'ambiance, les romans les plus sérieux, comme ceux de John le Carré ou comme ceux de Robert Littell, on les a un peu intégrés, comme ceux de Graham Greene, évidemment, comme ceux, voilà. Ceux-là, on les a intégrés, donc c'est plus notre culture, plus que des inspirations. Donc l'actualité, énormément, et l'expertise, très peu, sauf sur des sujets très précis. Par exemple, on était amené à rencontrer des experts sur le langage des djihadistes, le type d'arabe, le type de langage qu'ils pouvaient utiliser. On a été amené, là, par exemple, cette année, à rencontrer des experts en intelligence artificielle, parce que moi, j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait. Enfin, voilà. Là, c'est des trucs techniques qui n'ont rien à voir, en fait, avec les services de renseignement. Ça a à voir avec les sujets qu'on traite. De la même manière que pour la saison 2, on a été amené à rencontrer une ou deux personnes qui connaissaient bien la jeunesse dorée iranienne, là, qui nous permettaient de corroborer ou pas un certain nombre d'intuitions qu'on pouvait avoir. Voilà, des chercheurs comme Hugo Micheron nous ont permis de mieux appréhender. On a fait appel à lui, en fait, pour qu'il nous aide à faire parler les djihadistes de manière réaliste. C'est-à-dire, voilà, qu'on ne veut pas qu'on commence pas à fantasmer sur les choses. Et évidemment, grâce à lui, on s'est ouvert à une réalité que les gens connaissent pas bien, mais qui fait l'objet d'études extrêmement sérieuses. Je présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru. Au bureau des légendes. On va évacuer maintenant la fameuse question sur le rôle qu'on peut prêter ou pas à la DGSE. Quelle est leur intervention? Comment ils vous aident? En fait, c'est plus simple et plus flou que ça. En fait, la première fois que j'ai été les voir, c'était pour les prévenir que j'allais faire une série sur eux. Donc j'avais envie de faire une série sur la DGSE. J'étais juste les prévenir, leur dire, voilà, je vais faire ça. C'est normal que je vous le dise, quoi. Et il se fait qu'ils m'avaient plutôt à la bonne grâce aux Patriotes, qui utilisent quelques extraits des Patriotes pour les besoins de formation. Intégralement, alors stagiaire. Voilà. Donc ils m'avaient plutôt à la bonne, donc il y avait plutôt une relation de confiance. Ils savaient que j'allais pas dire des conneries sur les services de renseignement. Bon. Et après, il y a une relation comme ça de respect mutuel qui s'est créée entre nous. Évidemment, moi j'avais quand même besoin. Enfin, je me voyais. Enfin, j'aurais pu le faire, mais je me voyais pas faire une série sur la DGSE. Contre la DGSE, de la même manière qu'on ne va pas faire une série sur les sapeurs-pompiers, contre les sapeurs-pompiers, voilà, ça ne me paraît pas tout à fait pertinent. Donc je ne me voyais pas faire ça, donc j'ai juste essayé d'avoir une bonne relation avec eux, ce qui du coup, peu à peu, c'était une relation de respect mutuel, c'est transformé en une relation de confiance. Et du coup, voilà, non seulement on utilise leur logo, mais ce sont les premiers, on fait une projection à la DGSE, des premiers épisodes, ils les ont en avant-première, parce que ça les touche aussi, ça parle d'eux, ça leur parle de leur vie quotidienne dans les bureaux. Et donc, voilà, on pourrait faire ça si je faisais une série sur la radio, sur une grande radio, et que je me permettais, par exemple, de partir de Radio France, ben, je leur montrerais aussi, parce que c'est les gens concernés, c'est une sorte de respect. À part ça, j'espère, enfin, à part ça, là-dessus, il y a peut-être un jeu de chat et la souris, c'est-à-dire que la série, commençant à avoir du succès, peut finalement, il peut y avoir des effets pervers qui peuvent aller contre la DGSE ou contre la série elle-même, c'est-à-dire des fois, ce qu'on raconte, ce qu'on invente dans la série peut faire croire aux gens que c'est vrai, et ça peut être un problème pour la DGSE. Ou peut faire croire aux gens que c'est la DGSE qui nous a livré des trucs, mais en fait, il y a toujours vraiment. Et heureusement, une muraille de Chine, mais on n'a jamais été demandé à la DGSE de nous raconter des histoires, à aucun moment. Et d'ailleurs, ils ne nous racontent absolument rien. Je suis assez content qu'ils ne nous racontent rien, parce que j'aurais vraiment, enfin,
J'aurais vraiment la trouille que les mecs de la DGSE commencent à me raconter des choses. C'est-à-dire que normalement, c'est secret. Donc j'attends d'eux qu'ils restent secrets. Et quand il y a des types, des anciens types de la DGSE qui veulent venir me voir pour me raconter des choses, j'ai pas trop envie de les écouter parce que, en fait, j'ai plus envie d'inventer mes propres histoires, quitte à ce qu'elles se greffent sur la réalité et qu'avec un peu de bon sens, elles ressemblent à la vérité, plutôt que de raconter des trucs qu'on m'aurait raconté. Donc, mais cela dit, heureusement, je rassure tout le monde, nos services de renseignement gardent le secret sur ce qu'ils font, et tant mieux. À part ça, il n'empêche que quand, de temps en temps, je vais à la DGSE pour visiter pour rencontrer telle ou telle personne afin de parler un peu, effectivement, quand vous dites ils ont le droit de regard, non, ils lisent les scénarios, ça c'est clair. Quand on dit vraiment des très très grosses conneries dans nos scénarios, ils nous le disent, c'est-à-dire qu'ils nous disent ça, c'est un peu, vous faites-le, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ils nous disent pas comment on fait, comment ils font, mais ils disent c'est pas comme ça. Donc très bien. Et puis sur les films, ils aiment ou ils aiment pas, mais enfin ça s'arrête là. Mais n'empêche que quand je suis amené à rencontrer par exemple quelqu'un de la DGSE, évidemment on pique tout ce qu'on peut piquer. C'est-à-dire évidemment les cravates du personnage, on les a piquées sur un personnage. On pique tout ce qui est visible, tout ce qui nous montre malgré eux, leur façon de parler, de l'un ou de l'autre, le genre de l'une ou de l'autre. Voilà, quand j'ai été la première fois dans la cour de la DGSE, je me suis rendu compte que les gens étaient habillés, enfin c'était pas des oraux quoi, c'était, il y avait des mecs en jogging qui faisaient le jogging, il y avait des types en cravate, il y avait des types, des espèces de geeks en basket, et ça m'a vachement inspiré, je me suis dit, ah oui, en fait, la DGSE, les gens sont comme nous quoi, et ça a été très inspirant. Donc en gros, voilà, on s'inspire d'une maison ultra secrète, on essaie de la regarder le plus possible pour faire marcher notre imagination. Comment voyez-vous l'avenir pour votre pays, la Syrie ? J'essaie de travailler pour qu'il soit moins sombre. Vous ne montrez jamais l'immixtion du politique, de la diplomatie, les contingences et les contraintes que ça peut avoir, y compris sur les services. Alors j'imagine que c'est un choix parce qu'on ne peut pas tout montrer. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, là, on arrive sur la Russie, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir arriver dans la prochaine saison ? Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a un peu essayé... de mettre des parlementaires ou de mettre des diplomates, de parler du contrôle parlementaire, enfin une sorte de contrôle parlementaire des services de renseignement. À chaque fois, en fait, on a au niveau narratif, on a versé dans des choses que les gens ont déjà vues, sur le politique. Bon, par exemple, il y a Baron Noir sur le politique, il y a des trucs comme ça. Et donc, en fait, c'est pas tellement ce qui fait la spécificité de la série. Et à chaque fois qu'on verse là-dedans, parce que c'est une réalité, des fois, dont on a envie de parler, mais finalement, on verse dans un truc qui nous intéresse un peu moins. Donc, en fait, l'occasion fera le larron et on verra bien si, à un moment donné, on a envie d'en parler. J'ai l'impression qu'on sait qui je suis, qu'il va m'arriver quelque chose, qu'il faut que je m'éjecte très vite, avant qu'il soit trop tard. Phénomène, donc le personnage interprété par Serge Ajaudeau, est quand même l'officier, l'infiltré le plus cramé, démasqué... les services iraniens, les services israéliens. On a le numéro 1 du service qui va mourir en opération, le numéro 2 qui trahit, l'un d'autre qui va se faire estropier. Est-ce qu'à un moment, il va avoir un contrôle interne à la DGSE du service qui a des difficultés de fonctionnement Ah ben ça c'est effectivement une grosse partie de la saison 4. La saison 4, c'est une grosse partie, c'est-à-dire là, tout d'un coup, on va quand même commencer à mettre le nez dans ces affaires qui ont quand même mal tourné pendant 3 saisons. Il est temps d'y mettre de l'ordre, et c'est notre... C'est un acteur assez prestigieux qui est Mathieu Amalric qui va incarner qui va incarner d'une certaine manière notre ennemi, puisqu'il va vouloir nous remettre tous à l'ordre, donc nous mettre dans les rangs. On n'a pas envie d'être dans les rangs, parce qu'en fait, les séries comme les films ne fonctionnent qu'en cas de crise. Quand tout va bien, on n'a rien envie de raconter. Les crises permettent d'éclairer des lignes de fracture qui étaient invisibles. Donc il faut mettre nos milieux en crise à chaque fois. Les milieux qu'on a envie de décrire dans les séries, il faut les mettre en crise. Les personnages qu'on a envie de décrire, il faut les mettre en crise. Donc c'est toujours à l'occasion des crises qu'on raconte des bonnes histoires. Mais c'est vrai que du coup, celui qui veut mettre fin à la crise est toujours notre ennemi narratif. Voilà, donc là, il était temps effectivement d'aborder la question. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. J'ai manipulé des agents.
les relations que vous décrivez entre la DGSE et la DGSI sont plutôt pacifiées et efficaces. C'est un choix de, parce que c'est quand même, ça pourrait être un vecteur narratif de tension tout à fait intéressant. C'est un choix parce que vous ne pouvez pas tout traiter, vous allez y venir plus tard. On est obligé de parler de la DGSI dans la mesure où quand même une grosse partie des activités de la DGSE, c'est quand même l'antiterrorisme. Alors c'est l'antiterrorisme à l'étranger, c'est-à-dire prévenir tout ce qui peut arriver sur le sol, sur le sol national, et la DGSI s'occupant de la défense du sol national à l'intérieur. Bon. Mais ils travaillent entre eux. Donc nous, on aimerait bien, par exemple, c'est vrai que c'est peut-être un fantasme, j'en sais rien, mais on aimerait bien qu'ils travaillent super bien ensemble, on aimerait bien que ça marche bien, qu'ils échangent des informations, sachant que chacun... Chacune des deux entités ont aussi des intérêts et puis des secrets propres à leur travail. Voilà. Maintenant, nous, on s'occupe de la DGSE. Donc, on parle de la DGSI toujours dans le prisme, enfin, avec le prisme de la DGSE. Et c'est vrai pourquoi on ne parle pas trop des dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir entre les services ? Parce qu'au bout du compte, c'est un peu facile. Ça a été fait. Et je crois qu'en fait, c'est de la même manière, c'est que on n'est pas obligé d'aller chercher ce genre de choses pour mettre de l'attention. En fait, on peut mettre de l'attention avec ce qu'il y a réellement. Et comme nous, on essaye d'être très réaliste, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui survient, on essaye de le traiter de manière réaliste. Le problème lui-même peut être extraordinaire. On a toujours la réalité, c'est toujours une succession d'événements absolument incroyables que personne n'a jamais prévu. Mais la réalité, c'est qu'on les traite de manière réaliste, voilà. Donc les événements qui arrivent peuvent être extraordinaires, mais la manière de les traiter est plutôt réaliste. Et je ne crois jamais à ce que je suis évidemment totalement étranger à toute théorie du complot et aussi toute théorie du dysfonctionnement majeur, et que je vais pas chercher des trucs secrets. Enfin, c'est plus simple que ça et en même temps plus compliqué. C'est parce que c'est plus simple qu'en fait c'est juste plus réel. Et les problèmes qui peuvent se poser sont des problèmes vraiment logistique, pragmatique, réel. Il peut y avoir des conflits entre les services. Évidemment, il y en a eu. D'ailleurs, on le sait. Dans la lutte contre le terrorisme, il y a eu des conflits parce que les structures mises en place étaient faites dans le mauvais sens, et d'ailleurs pour des raisons politiques. Mais là, en fait, il ne me semble pas que ça soit très intéressant ni en fait pertinent de mettre la lumière sur les dysfonctionnements qu'il peut y avoir entre DGSE et DGSI. Il est français. Le bourreau, il est français. Messieurs, la France ne peut pas être la vitrine mondiale de la barbarie. Qu'est-ce que vous pensez quand, dans l'actualité et au lendemain des attentats, des critiques portées par nous, par la presse, sur les services de renseignement, des hommes politiques qui réclament ou font X réformes, voilà. Quel est le regard que vous portez d'amateur éclairé, encore une fois, sur la situation, sur le monde du renseignement à l'heure actuelle? Ce qui est sûr, c'est que le bureau des légendes est arrivé à un moment, c'est le hasard a fait ça, est arrivé à un moment, donc voilà, on était en train de tourner la deuxième saison quand les attentats, quand il y a eu l'attentat de Charlie, c'était la première, et bon, l'attentat 13 novembre, c'était la deuxième, à un moment critique, dramatique, où finalement la France a été attaquée, et où je pense les gens ont commencé à de nouveau avoir envie que leur service secret marche, fonctionne, les temps de paix, tout le monde s'endort un peu, et c'est vrai que là, malheureusement, les événements dramatiques ont fait que tout d'un coup on avait envie que ça fonctionne. Donc on leur demande, alors qu'avant, les services secrets, la DGSE, c'était le Rainbow Warrior, la DGSI, enfin la lutte antiterroriste, c'était les Irlandais de Vincennes, donc c'était un peu toujours des trucs qui fonctionne pas bien, ça, c'est le bordel, ça marche pas bien, alors que le Mossad, la CIA, le KGB, le MI5, c'était génial, voilà, bref. Donc là, tout d'un coup, on s'est dit, non, quand même, on aimerait bien que ça marche, donc on leur demande. On a envie d'avoir confiance en eux. Et donc, il y a un regain d'intérêt, et il y a une nouvelle demande angoissée vis-à-vis des services secrets. Donc, c'est vrai que le bureau des légendes est arrivé à ce moment-là et a permis... est arrivé à ce moment où il y avait un renouveau d'intérêt pour les services secrets et finalement une envie de les respecter leur travail. Alors les critiques, c'est normal les critiques. Moi ce que je trouve plutôt soit amusant, soit désolant, c'est que les gens en demandent trop aux services secrets, etc. Ça je comprends, quand on est pris par l'émotion, on a envie que ça marche, on dit qu'est-ce qu'ils foutent, etc. Bon, quand t'as un type qui fait un attentat, on se dit, mais attends, mais il le suivait, il le connaissait, comment c'est possible, etc.
Ce que je trouve plutôt désolant, c'est que les hommes politiques font de la politique politicienne là-dessus et commencent à faire des critiques qui sont ridicules. Tout le monde le sait, enfin, entre eux, ils le savent. Ce qui est terrible, c'est qu'ils font croire aux gens que leurs critiques sont pertinentes. Entre eux, ils savent parfaitement que leurs effets de manche à la télévision en disant les fichiers S, faut tous les leur mettre un bracelet électronique, enfin, ça n'a pas de sens. Et tous les experts le savent et les politiques eux-mêmes le savent. Donc en fait, ce qui me désole, c'est que ça donne l'occasion à la plupart des hommes politiques, des partis d'opposition ou pas d'ailleurs, de finalement d'être un peu crétins, voilà, et de nous prendre pour des crétins. C'est-à-dire qu'en fait, on nous prend un peu pour des crétins. En utilisant notre émotion, nous, on a le droit de gueuler et de dire n'importe quoi, mais eux, un peu moins quand même. Donc voilà. Donc je trouve que, franchement, même après l'attentat de Nice, par exemple, je trouve que les politiques n'ont pas été à la hauteur de ce qui se passait. Et faire de la politique politicienne, faire même de la politique électorale sur ce type d'événement et exiger des trucs dont ils savent parfaitement que ça n'a pas de sens, je trouve que c'est un peu de prendre pour des idiots. Pour finir, après la réalité et la fiction, une question médiapartienne. Dans la première saison, vous faites dire au service algérien ne dites rien à la DGSE, sinon tout va se retrouver dans Mediapart. D'où ça vient cette... Mediapart a été. Donc c'est tout de suite posé comme un média un peu iconoclaste, un média d'investigation. Attirant toutes les fuites possibles, tous les lanceurs d'alerte, les fuites, les fouteurs de merde. Bon voilà, donc c'était une manière de parler de Mediapart comme faisant partie de la réalité maintenant du journalisme, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Eh ben, on remercie Éric Rochon, non seulement pour le clin d'œil à Mediapart, mais de l'entretien qu'il a accordé à Mathieu Suc et Raphaël Mailly pour le Mediapart Live. Alors, on est, comme je le disais tout à l'heure, avec Yves Trottignon. Et on va essayer de confronter la fiction au mur du réel, à la vérité, puisque Yves, vous êtes non seulement l'auteur aux Presses universitaires de France de Politique du secret, qui est en fait un regard, une analyse sur le bureau des légendes par le prisme de votre, notamment, propre expérience, qui est celle du spectateur avisé, puisque je le disais tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui consultant et enseignant à Sciences Po, mais avant cela, vous avez été diplomate et surtout cadre de la DGSE, donc des services secrets extérieurs français. Alors, pour commencer, je voudrais juste briser une croyance. J'ai lu ça, alors c'est dans une note de bas de page. Hein. Alors, on sait que une note de bas de page, elle est marge... C'est ce qui tient les pages, hein, comme disait Godard, sur le terme « agent ». Vous dites quelque chose, qu'il y a une croyance répandue, que le mot « agent », en fait, c'est l'officier de renseignement. Mais non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous pouvez dynamiter l'aqueduc de nos certitudes là-dessus ? Je peux la redynamiter pour la 20e fois. Un agent, c'est une source. L'agent, c'est la source. L'agent, c'est la source. Ce n'est pas l'espion. L'espion, à la DGSE, on l'appelle un officier traitant. Et d'ailleurs, quand vous écrivez un compte-rendu, tradition française d'écrire des comptes rendus, on dit l'officier traitant a rencontré machin ou machine, qui est désigné par son pseudonyme, en l'occurrence phénomène par exemple, ou voilà, au truc que vous voulez. Et l'agent, c'est la source. Et donc on manipule un agent, comme dans un laboratoire de chimie. On manipule un agent pour obtenir un effet, en l'occurrence obtenir du renseignement. Donc, un agent n'est pas un fonctionnaire. C'est, voilà, c'est le message de l'auteur. L'agent n'est pas un fonctionnaire. Alors, Yves Trottignon, vous racontez dans cet ouvrage, hein, qui est, alors, c'est une série d'ouvrages sur les séries, hein, Presse universitaire de France, et après ce que j'ai compris, ça vient clore d'ailleurs ce que les pufs ont fait depuis maintenant 2012. Alors, vous écrivez au sujet d'Éric Rochon, qu'on vient de voir, et du Bureau des légendes, qu'il a une remarquable, je vous cite, hein, compréhension des logiques de renseignement, et qu'il est l'auteur d'une série, je vous cite à nouveau, ouvrez les guillemets, proche du réel, et en même temps, presque hors sol. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette tension du en même temps qui a été captée maintenant par la parole présidentielle, mais quand même. Et en même temps. Et il l'a dit lui-même. Il s'extrait du politique. Il écarte l'actualité au profit de crises de long terme. On peut parler de la Syrie, on peut parler de la Palestine, des tensions avec la Russie. Sa compréhension, ce qui est admirable, c'est qu'elle n'est pas théorique. D'ailleurs, il n'évoque jamais en interview des travaux scientifiques ou universitaires, qu'il a peut-être lus, mais dont il ne parle pas. En revanche, on l'a entendu à l'instant, il parle des grands auteurs anglo-saxons, Robert Little ou John le Carré sur le renseignement, et ça lui donne une compréhension qui est plus qu'intuitive, mais sans être scientifique, des logiques de renseignement.
Et en même temps, sa série n'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Ça n'est pas, le Bureau des légendes n'existe pas comme ça. Il le dit lui-même grâce à Mathieu Suc qui pose la question qui fâche. Le Bureau des légendes est une structure dysfonctionnelle. Vous êtes directeur général de la DGSE, directeur du renseignement, et effectivement, au bout de 3 saisons, pardon pour le spoil géant qui va arriver, mais tout est un échec. Hein, les opérations, celles qu'on nous montre en tout cas dans la série, sont toutes à un moment donné des échecs. Phénomène est grillé une première fois. Alors, Phénomène, pour ceux qui n'ont pas regardé. Pardon, Sarah Giraudeau, donc infiltré auprès des services iraniens, enfin auprès en Iran pour travailler sur le fameux programme nucléaire. Infiltré, c'est un officier clandestin, quoi. En l'occurrence, oui. C'est l'essence même de la série, c'est-à-dire qu'il y a une légende. Une légende, c'est une fausse identité. Une fausse identité lourde. Voilà. C'est une fausse vie. C'est une fausse vie, une vraie fausse vie. Ouais. Une fausse vie compliquée et pas quelque chose qui relèverait uniquement du passeport que vous auriez maquillé pour passer une frontière. Donc elle se fait. Deux fois en 2 saisons démasquée. Le chef du Bureau des légendes meurt en opération en faisant quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire pour sauver le meilleur des meilleurs du Bureau des légendes, qui est par ailleurs un traître. Pardon. Le chef, c'est Jean-Pierre Darroussin avec ses cravates chatoyantes. Disons ça comme ça. Ouais. Malotru, donc Mathieu Kassovitz, et cette espèce d'épée, de légende du Bureau des légendes, le meilleur des meilleurs, présenté comme le successeur putatif de Darroussin, qui a menti. La série commence sur un mensonge de Malotru à sa contrôleuse, qui est la fameuse Marie-Jeanne. Il a menti, revient avec ses mensonges à Paris, gère ses mensonges, commet pour les défendre un certain nombre d'erreurs qu'il tente de corriger en faisant d'autres. Et comme le disait très bien Rochon, sur une vraie mécanique de narration, les crises s'enchaînent et ne se résolvent jamais, elles ne font que s'accumuler. Au final, à la fin de la 3e saison, tout est un échec. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas réaliste, parce que dans la vraie vie des espions, il y a un contrôle. Qu'est-ce qui se passe face à des événements tels qu'ils sont racontés dans le Bureau des légendes et sur Canal? Est-ce qu'on fait rentrer une psychiatre qui est jouée par Léa Drucker? Est-ce qu'on a fait rentrer dans le sein des seins du renseignement humain de la DGSE, manifestement sans avoir passé le moindre test, le moindre contrôle? La réponse est non. Demandez aux candidats, aux contractuels qui rentrent au service actuellement, par quels affres ils passent en termes de contrôle, de concours, d'oral, de suroral, d'entretien, d'évaluation. Est-ce que Sisteron, qui commet une erreur majeure à Alger dans la première saison, qui est dont on coupe le pied en Syrie dans la 2e saison, est-ce qu'on le revoit sur le terrain? Est-ce qu'on ne le met pas ailleurs? Est-ce qu'on ne l'aère pas à un moment donné? Est-ce qu'on ne l'extrait pas? Donc, ce que je voulais dire par hors-sol, c'est que la série m'évoque The Shield, la fameuse série américaine sur un commissariat fictif d'un quartier fictif de Los Angeles qui met en avant des histoires d'enchaînement permanent qui partent d'un péché originel qui est un braquage fait par des policiers corrompus. On vous montre la police américaine violente, corrompue de Los Angeles. On montre les arrestations, on montre le quotidien dans un quartier avec des vraies tensions ethniques ou communautaires, les problèmes de moyens. Et ça n'est pas un documentaire. C'est d'abord un récit divertissant. Ce qui, à mes yeux, est le Bureau des légendes. C'est un récit divertissant qui voit très bien le renseignement et qui ne doit pas être présenté comme un documentaire. Alors, votre ouvrage s'appelle « Politique du secret » et vous l'avez dit, hein, notamment quand vous commencez à répondre sur la question hors sol. Notamment, ça n'est pas réaliste parce qu'on ne voit pas, et Mathieu Suc en a parlé avec Éric Rochant, hein, on ne voit pas le poids, même si vous allez me corriger si je me trompe, hein, mais la verticalité même de la structure politique qu'il peut y avoir vis-à-vis de la DGSE, non pas sa suggestion, mais le poids qu'il peut y avoir du politique. Est-ce que ça, c'est un angle mort préjudiciable, entre guillemets, même si, bien sûr, une série est là pour nous divertir, mais pour la compréhension de ce que peut être un service de renseignement comme la DGSE? Non, ce n'est pas préjudiciable. En revanche, ce que la série ne montre pas, c'est le monde interlope qu'il y a autour des services de renseignement. Ceux qui voudraient y rentrer et qui ont été rejetés, ceux qui, comme moi par exemple, j'espère ne pas être interlope, mais ceux qui n'en sont plus et font croire qu'ils ont encore des connexions pour obtenir des contrats, une reconnaissance professionnelle quelconque. Vous savez que ce que disait tout à l'heure Éric Rochon était un peu injuste sur la DGSE, dont on s'occupe depuis le 11 septembre, et pas depuis 3 ans, mais avant le 11 septembre, moi j'ai connu ça en tant que jeune analyste à la DGSE, le service était marginalisé au sein de l'appareil d'État, par les politiques, en toute conscience, au profit de réseaux parallèles.
les otages négociés dans les Balkans dans les années 90, ce n'est pas la DGSE qui s'occupe de ça. Ce qu'on appelait la diplomatie parallèle. Exactement. Ce qu'on a appelé dans les années 60 des barbouzes. Les fameux barbouzes, hein, ça vient de là. Les négociations sur les otages au Liban dans les années 80 étaient menées aussi bien par les services de renseignement français que par des acteurs ambigus qui tournaient autour de certains hommes politiques, qui faisaient appel à des réseaux parallèles, qui étaient parfois d'ailleurs très efficaces, plus efficaces que ceux de l'État. Il y en a même qui sont devenus préfets après. On le dit. Belle carrière, des exemples pour nous tous. En l'occurrence, là où là je dis hors sol, c'est qu'on pourrait même imaginer que la DGSE de la série est une DGSE presque parfaite, de laboratoire, chimiquement pure, qui fait du renseignement, qui n'est pas embêtée par la corruption d'acteurs extérieurs, qui n'est pas embêtée par les interactions extérieures, qui n'est pas embêtée par l'incompétence interne, qui existe comme dans toute administration, qui n'est pas embêtée ou à peine par les querelles de structure. Qui sont à peine évoquées dans le service. Et qui sont pourtant très lourdes dans la réalité. Qui ne sont pas très lourdes, mais qui sont réelles. Qui sont réelles comme dans n'importe quelle organisation administrative. La vie de bureau, en pire. Ça, en plus gros. Parce que les enjeux sont plus importants, parce que c'est un métier particulier qui fait que ce que fait le voisin est toujours plus intéressant que ce que vous faites vous, et que si vous ne savez pas ce qu'il fait, il faut le savoir. C'est une espèce de défaut propre à ce métier. Le poids d'une bureaucratie interne ? Réel, fut supposé. Un temps où ça a été le cas. Le renseignement est un métier de structuration, d'autocontrôle. On a parlé tout à l'heure de pénétration, d'agents doubles, de trahison. Bon, c'est la grosse angoisse. Hein. Et de compte-rendu. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de compte-rendu, c'est un problème dans le monde du renseignement. Tout ce qui n'est pas écrit est un problème, non ? Alors, tout ce qui peut être écrit peut être un problème, mais il faut... c'est un truc qu'on apprend systématiquement à la fois dans les forces armées, dans les forces de sécurité et à la DGSE, c'est de vous rendre compte. Pourquoi vous rendez compte à votre hiérarchie ? Parce que votre hiérarchie est supposée en savoir plus que vous, sur d'autres choses qui sont faites ailleurs. Et là où vous pensiez avoir fait quelque chose un coup fumant, par exemple, vous avez simplement mis un bazar épouvantable dans une manipulation, une opération que vous ne connaissiez pas. Donc on rend compte. Alors si on rend compte plus souvent qu'on agit, c'est un problème, ce qui est la paralysie à terme, mais le contrôle est important. Et effectivement, la DGSE, celle que l'on voit dans le bureau des légendes, n'écrit pas. On voit des dossiers, on voit des rédacteurs de temps en temps, mais ça n'écrit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de compte-rendus analysés. Et on peut imaginer, par exemple, pour un point très technique, peut-être que la manipulation, la trahison initiale de Malotru aurait pu être détectée par Marie-Jeanne si Marie-Jeanne avait étudié ou avait été étudiée elle-même par un bureau de contrôle au-dessus d'elle, en disant « Mais est-ce que tu ne crois pas que tu es trop proche de Malotru ?» qui te raconte des trucs que tu ne vérifies pas parce qu'il est brillant, séduisant, que sa mission est super. Peut-être qu'un bureau derrière aurait pu dire, Marie-Jeanne, je pense que là-dessus, vous êtes candide ou naïve. Vous dites dans l'ouvrage que, faisant d'ailleurs la distinction entre les cultures de renseignement, par exemple, anglo-saxonne et française, à savoir qu'en France, le service à la fois recueille le renseignement et l'analyse, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de nos homologues anglais et son MI6 qui recueillent mais n'analysent pas, sont d'autres structures qui le font. Et vous dites un tout petit peu plus loin dans ce même passage qu'au fond, la DGSE de Rochon ressemble plus à une forme de CIA de fiction. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Éric Rochon porte un regard... peut-être pas fasciné, mais très admiratif, sur une DGSE qui est plus belle dans la série qu'en vrai. Certains locaux font rêver. J'ai des camarades encore en activité qui me disaient « on aimerait beaucoup que les locaux de contact soient comme ça », ou « on adorerait que nos bureaux soient aussi élégants ». Bon, c'est un point de détail, mais la série Rochon et ses scénaristes montrent un service tout puissant. Peut-être encore plus puissant qu'il n'est. La DGSE est un système unique, c'est quelque chose qu'on nous disait quand on rentrait, c'est-à-dire qu'elle est à la fois à faire du renseignement humain, à le recueillir, à l'analyser, du renseignement technique, elle conçoit ses outils, elle agit clandestinement, parfois violemment. On voit les gens du service action dans les saisons, dans les différentes saisons, la saison 1 au Sahara, la saison 3 en Irak et en Syrie. Et donc, il y a toujours cette idée que la DGSE, comme entité globale, très très puissante, très cohérente et très élégante, ressemblerait à cette espèce de modèle occidental non assumé qui est la CIA, l'agence des jasances, le monstre administratif richissime, hors contrôle. Surreprésenté. Surreprésenté. Dans la, dans la,
dans la fiction. Pour rester dans les angles morts, il y en a un autre qu'on ne voit pas, sauf erreur de ma part, et vous me corrigerez, hein, dans le Bureau des légendes, c'est les questionnements qu'il peut y avoir, quasi philosophiques, si je peux me permettre, sur jusqu'où on peut aller, notamment au prisme de la technologie, c'est-à-dire le questionnement. Est-ce que c'est parce qu'il n'existe pas ? Alors je connais un peu la réponse. Dans un service comme celui du boulevard Mortier, hein, faut pas dire la piscine. Hein, vous racontez qu'il faut pas dire la piscine. Ça, aussi ça, bien c'est, de pas le faire. Ça c'est le mot tarte à la crème de ceux qui ne savent pas. Hein, mais du boulevard Mortier, donc de l'agence de service secret extérieur français, on ne le voit pas dans le Bureau des légendes, mais on peut pas faire le procès au Bureau des légendes. Ça n'est pas un documentaire. Bon, c'est une série de fiction, de divertissement. Vous le dites vous-même. Mais est-ce que ces questions sont prégnantes ? La technologie nous dévore. Elle permet évidemment des intrusions, mais des atteintes évidentes aux libertés publiques. La DGSE, les services d'enseignement font partie de la violence légitime, entre guillemets, de l'État. Mais quels sont les types de débats ? Je ne vais pas vous demander de lever le voile, évidemment, sur des secrets que vous ne pouvez pas révéler, même si on voudrait que vous nous disiez tout. Mais quelle est la réalité de ces questionnements qu'il peut y avoir ? C'est un système qui fait beaucoup d'autocontrôle. Donc les dérives individuelles ou structurelles sont censées être corrigées au-dessus. Si vous avez la passion d'une enquête, l'idée de faire des choses mal, très mal, et je ne parle pas de code pénal, je parle moralement insupportable, vous êtes censé avoir au-dessus de vous, à un moment donné de la hiérarchie, quelqu'un qui dira « mais vous n'y pensez pas ». Vous n'y pensez pas, parce que tac, 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 tac. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un recadrage. On dit à l'agent, à l'analyste, à la source sur le terrain qui a proposé une opération en disant « je pourrais faire ci, je pourrais faire ça », on dit « mais non, il n'en est pas question ». Pour plein de raisons. Il y a la raison morale, évidemment, et la raison légale, il y a des conséquences politiques, des conséquences opérationnelles. Si on fait ça, ça va nous échapper, on ne va pas savoir ce qu'on va faire. Le débat technique, il est évidemment d'autant plus important que les moyens sont ce qu'ils sont, les investissements sont ce qu'ils sont, l'évolution technologique est ce qu'elle est. Les questionnements moraux concernant la France sont tranchés d'entrée par la loi. La DGSE fait des choses encadrées par la loi au profit d'autres services français en France, de façon totalement encadrée. Il n'y a pas de micro dans les locaux d'un satirique, par exemple, mercredi, par exemple. En tout cas, on n'est pas censé, et peut-être pas ici non plus. En plus, c'était la DST qui les avait posés concernant le canard enchaîné. Folle jeunesse. C'était les cousins. Des cousins très proches, tout à fait. Dès qu'on quitte le territoire européen, dès qu'on quitte le territoire de l'Union européenne, le monde devient un immense terrain de jeu. Un ancien directeur général me disait il y a quelques années qu'on était des corsaires. C'est-à-dire qu'on avait un comportement de pirate avec des lettres de mission données par... Du royaume. En l'occurrence, le royaume, en l'occurrence, la République. Dans des limites acceptables. Je lisais récemment un dépôt de plainte aux Pays-Bas contre le service, contre la DGSE, au sujet des coûts téléphoniques ou des coûts de communication satellite ou Internet, tout ce que vous imaginez. Bon, c'est à la fois une difficulté pour le service. J'imagine que des gens se mobilisent pour répondre à l'accusation. Et en même temps, de mon point de vue très personnel, et j'assume la position, c'est absurde. À partir du moment où vous téléphonez, vous utilisez un téléphone ou un moyen de communication et que vous appelez très loin et que votre communication passe au-dessus d'un océan par un satellite ou en dessous par des câbles et que vous avez 20, 25 pays qui sont connectés à ce câble, vous prenez le risque d'être écouté. Et alors, je défends pas la violation de vie privée, évidemment, mais tout est capté. Tout est capté, tout est ramassé. Un de mes amis me disait que c'était un métier de prédateur. La formule est géniale, parce qu'effectivement, le directeur général, M. Cousseran, me disait « on est des corsaires », lui me parle de prédateur, c'est-à-dire qu'on prend ce qui peut être pris, avec la première règle, qui est de ne pas faire des choses que vous approuvez, vous, à titre personnel. Vous avez le droit de refuser des ordres. Vous avez le droit de ne pas faire des choses. On va pas, si on vous dit... On vous le reprochera pas. Peut-être qu'on vous le reprochera, mais qu'est-ce que vous avez pour vous à la fin de votre carrière et de votre vie, sur votre lit de mort, sinon votre conscience et le fait j'aurais pas dû remettre ce type au service de tel pays qui l'a torturé jusqu'à la mort. Bon, vous en voulez. Alors, vous avez beau vous dire que c'est pour la République, pour la survie des gens, bon... Vous avez déjà refusé, vous ? Sans rentrer évidemment dans le détail. Refusé des ordres ? Non. J'ai eu la chance de travailler dans un service qui faisait cette guerre contre le djihad de façon très soft et très, très en retrait, comme un vrai service de renseignement. Et donc, on n'était jamais confronté à des décisions de grande violence.
Éric Rochant disait tout à l'heure à Mathieu Suc et Raphaël Mailly qu'il il avait un embarras quand la fiction, évidemment, s'emparait du récit et pouvait donner l'impression que c'était vrai de ce qu'il décrivait de la DGSE, que ça pouvait avoir un risque pour le service. Et je vous ai vu opiner un peu du chef pendant qu'il disait ça, parce que ça a allumé une lumière particulière en vous. Ça fait référence à quelque chose ou qu'est-ce qui vous a fait réagir à cette réflexion d'Éric Rochant? Quand j'étais jeune fonctionnaire à la DGSE, y compris nous-mêmes, on rigolait en parlant de James Bond, qui est l'espèce de figure tutélaire caricaturale, ridicule, pas crédible une seconde. Et personne, chez vos homologues policiers ou chez les étudiants qu'on pouvait rencontrer, ne croyait une seule seconde qu'on vivait en smoking, dans des voitures de sport. Et pour le Martini, on pourrait en discuter, mais pour le reste, non. Le bureau des légendes... Frappé et secoué, en revanche. Oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Le bureau des légendes a tout changé, dans la mesure où, et Rochant le dit lui-même, et c'est ce dont on parle maintenant, ce faux réalisme, cette crédibilité des intrigues, du décor, de voir vraiment le boulevard Mortier, de voir le tramway qui passe le matin ou le soir devant les locaux du service, a répondu à l'intérêt croissant du public et du jeune public, celui qui passe les concours administratifs, celui qui devient militaire, celui qui veut passer, qui veut devenir officier sous contrat. Et quand j'ai opiné du chef, c'est parce que je pensais aux étudiants de Sciences Po. Que vous avez que j'ai, ou que d'autres, ont, ouais. Et qui vous disent le bureau des légendes. Ah, vous étiez au bureau des légendes. Comme on disait il y a 20 ans, vous étiez James Bond. Mais sauf qu'il y a 20 ans, on pouvait ricaner. Alors que là, il y a une phase d'explication en disant oui, mais non. Oui, mais non, parce que le bureau des légendes, c'est un métier très particulier du service, très minoritaire. Donc moi, je ne l'étais pas, évidemment. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement présenté comme étant bien fait aussi par toutes les campagnes de promotion qui ont lieu chaque printemps et qui auront lieu en septembre prochain, que ça infuse. Et la difficulté, elle est où? Elle est que les gens de la DGSE vous racontent qu'ils doivent parler à leurs stagiaires en leur disant « arrêtez tout ». Vous partirez pas, vous n'aurez pas une fausse identité tout de suite, si vous en avez une un jour dans votre carrière. Les locaux sont ce qu'ils sont, la cantine est toujours bondée, et vous n'avez pas une structure d'une grande souplesse, vous avez au-dessus de vous 10, 14, 15 chefs qui vont tous vérifier un bout de ce que vous avez écrit. Donc, sans dire que ce soit un problème, parce qu'être populaire n'est jamais un problème, il y a 20 ans, il fallait convaincre les gens de venir au service, et maintenant, il faut les convaincre, quand ils sont là, que la réalité peut les décevoir et que le quotidien sera celui d'une administration. D'autant que ça n'existe pas, un bureau des légendes. En tout cas, pas comme ça, pas sous ce nom et pas avec ce mobilier très design. Après, on peut comprendre que pour les besoins de la fiction, il faille une unité de temps, de lieu. Tout à fait. Éric Rochant a été l'auteur d'un film remarquable et très remarqué d'ailleurs en 1994 qui s'appelle Les Patriotes. C'en est un autre service de renseignement qui était le service israélien du Mossad. Et il est, ça a été dit et c'est su, hein, c'est de notoriété publique, il est souvent diffusé aux recrues de la DGSE. Est-ce que vous avez fait partie de ceux qui ont eu à le voir quand vous y êtes arrivé? Et surtout, ce qu'on aimerait comprendre, c'est pourquoi il peut y avoir une telle influence, porosité, importance de montrer une œuvre de fiction comme celle des Patriotes, qui n'est pas la seule, je crois, à être parfois montrée aux recrues. Pourquoi celle-ci, d'Éric Rochant, a une telle importance dans ce qui peut être la fabrique de l'espion? Alors, Éric Rochant montre du renseignement humain. Pas d'analyse, pas beaucoup d'action. Il n'y a pas beaucoup d'action spéciale, c'est pas spectaculaire. De mon temps, je vais prendre une voix chevrotante, mais on montrait quelques films aux stagiaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de documentaire. Il n'y a pas de film d'entreprise, hein, de choses qui vous diraient, regardez comme on est super fort, comme on est super bon, tout ce qu'on a réussi à faire. Et en particulier, les pompiers en opération ont des caméras, ont des GoPros. D'autres services d'intervention ont des GoPros pour faire des retex. Vous n'avez pas traité une source. Un retex, c'est un retour d'expérience. Un retour d'expérience, une étude de ce qui a été fait pour voir ce qui s'est passé bien et mal. Vous n'allez pas aller voir une source avec une GoPro. Alors, vous me direz qu'il y a des caméras miniatures comme des micros qu'on a là, mais oui, bien sûr, mais quand même, on ne peut pas tout filmer pour plein de raisons, plein de bonnes raisons. Donc, il y avait ce besoin de montrer quelque chose.
Et donc, on s'appuie sur la fiction. Alors, il y a eu d'autres films qui ont été montrés que les Patriotes. Il y a Le Transfuge, Dossier 51, des choses comme ça. Depuis 2012, la DGSE montre, à mon grand plaisir, Zéro Dark Sorti aux stagiaires. Nécessité absolue de montrer ce film, évidemment. Sur la capture de Bin Laden. Sur la capture de Bin Laden, et sur toute la traque, en fait, de Bin Laden. Pourquoi on montre les Patriotes à la DGSE et pourquoi on ne montre pas Mobius, même Éric Rochant. Du même Éric Rochant qui est, vous le dites, raté. Qui est raté, tout à fait. Qui est intéressant, mais qui est raté. Parce que dans les Patriotes, il y a une séquence qui dure à peu près une heure de recrutement par les Israéliens d'un savant français. Et que c'est quasiment un cas d'école. C'est-à-dire que vous avez une approche de l'objectif, une identification de ses failles. Et puis finalement, à un moment donné, on tente de le recruter. Et puis ça a été bien fait, donc il est recruté. Puis une fois qu'il est manipulé, on va essayer de le faire produire, en l'occurrence sur du nucléaire. Et donc cette séquence. Le faire produire, ça veut dire amener de l'information. Oui, amener du renseignement. Pas d'information, du renseignement. Il y a des choses qui sont cachées, secrètes, et dont les Israéliens ont besoin dans le cadre du. C'est un champ lexical d'espion, ça, faire produire une source. C'était dans le bureau des légendes, à un moment donné, le directeur du renseignement le dit, et dit « Moi, je vends du renseignement, je produis du renseignement, c'est mon business. » Et effectivement. C'est comme « Est-ce qu'il en a à en connaître ?» Il a à en connaître, tout à ça fait. Ça aussi, c'est une phrase, qu'on entend à Mortier. Pas qu'à Mortier, mais que vous entendrez aussi au GDSN. Ouais. C'est une marque, c'est une phrase typique des gens qui gèrent du secret. Que vous pourriez envisager vous aussi. Vous n'avez pas à en connaître de l'enquête que vous avez pu faire sur un homme politique corrompu, sur une entreprise. Voilà. C'est trop sensible, j'en parle pas. Et alors, les Patriotes, c'est un exemple donc, dites pour le recrutement, la manipulation, hein, la source, puisque c'est de la manipulation. Est-ce que c'est parce que ça fait appel au fameux principe MICE? Et est-ce que vous pouvez peut-être dire, pour ceux qui nous regardent, ce qui en sont les ressorts? Bon, c'est à la fois c'est à la fois un lieu commun et en même temps une vérité opérationnelle qui fonctionne. Considère de façon un peu abrupte que vous pouvez recruter quelqu'un, donc le convaincre de travailler pour vous, en agissant sur quatre, schématiquement, sur quatre axes, que vous pouvez combiner, qui vont, pour faire simple, être de l'argent, donc vous l'avez acheté, monnaie, corrompu, c'est le M. Monnaie. Vous pouvez l'avoir convaincu pour des raisons idéologiques de travailler pour vous, la cause est sacrée, je n'aime pas mon gouvernement et je pense que vous faites le bien, très bien. La compromission, vous le tenez, c'est les fameuses photographies, les photos compromettantes, les vidéos compromettantes. Le compromat, pour reprendre. Exactement. Parler de vieille méthode russe qui fonctionne parfaitement. Ouais. Et puis le E, l'ego, qui repose sur la manipulation, le fait qu'on adore ce que vous faites, sans vous, on n'y arrivera pas. On combine tout ça. J'en parle très facilement, mais c'est un métier. Hein, la manipulation, c'est un métier. Et avec ces quatre ressorts-là, en les combinant, dans le cadre d'opérations qui sont conçues, hein, ça ne se fait pas de façon improvisée, qui sont conçues, qui sont amenées, les services de renseignement, partout dans le monde, y compris les services de renseignement policiers, intérieurs, vont pratiquer ça, pour recruter des sources humaines, évidemment. Et les Patriotes reposent sur un recrutement qui repose à la fois sur la compromission et de l'ego. C'est-à-dire qu'initialement, Jean-François Stévenin, donc le savant atomiste français, est approché et valorisé par quelqu'un qui est plus riche que lui, qui est un Britannique très élégant, qui a des fréquentations très, très élégantes, fameuse premier rôle de Sandrine Tiberin dans mon souvenir. Et puis, à un moment donné, une fois que ça a été amorcé, finalement, et que Stévenin rentre dans la manipulation et est filmé en train d'avoir des relations adultérines avec Sandrine Tiberin, ça y est, là, il est ferré, et là, on est sur la compromission. Et le jour où, une scène fameuse du téléphone, le jour où Stévenin dit à son épouse « J'ai fait une bêtise, il faut que j'arrête, je vais aller parler aux policiers », on le rappelle en lui disant « Tu te souviens que tout le monde sait ce que tu as fait et qu'on peut le montrer à tout le monde. Voilà. » Ça, c'est la compromission. C'est pas très élégant. C'est pas des choses nécessairement très discutées moralement dans les services de renseignement. On sait pourquoi on fait ça. Au fond, c'est un peu ce qu'un réalisateur comme Rochand, avec les Patriotes ou d'autres, ou le Bureau des légendes font. Ils nous recrutent, nous, mes spectateurs. Ils nous séduisent. Alors, vous faites un parallèle qui, évidemment, parle à notre cœur, à Mediapart, un moment dans l'ouvrage, entre le travail du renseignement et le journalisme. Et le journalisme d'investigation, vous dites, au fond, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Et ça m'a inspiré une réflexion qui est au cœur de notre discussion sur la représentation par la fiction et surtout par l'image, le cinéma ou les séries télévisées.
Parce qu'elles ont ceci en commun en France, et la discipline du journalisme et celle du renseignement, d'être très peu montrées dans la culture populaire française. Pour le renseignement, c'est vrai qu'on a beaucoup été enfermés dans une représentation qui de la barbouzerie, des barbouzes, ou au SS 117 de la rigolade. Alors, vous citez un certain nombre de films qui essayaient d'avoir une approche un peu plus réaliste, documentaire avec des guillemets. En fait, c'est exactement la même chose hein, pour le journalisme français qui est, contrairement à la mythologie américaine, on pourrait parler de vieux films comme Violence à Parcrocs jusqu'à Spotlight, en passant par les hommes du président. En France, le journalisme est assez peu représenté également. Comment vous expliquez, pour ce qui est votre parti, celui du renseignement, ce déficit culturel, en quelque sorte français, à montrer ce monde du secret avec une approche de réalisme, fût-il fictionnel ? Alors, sans vouloir jouer les Calimero ou les victimes, le renseignement a longtemps peu intéressé. C'était sale, c'était au service des intérêts les plus obscurs et les moins légitimes de l'État. On parlait de barbouzerie, on parlait de corruption. Donc, la France-Afrique, c'est ça ? Ce genre de choses un peu délicates. Et donc, ça n'intéressait personne. On voyait de temps en temps apparaître des espions en marge d'histoire politique. Ou alors dans le rôle de gros bras, hein, c'est le fameux José Beaumont de Belmondo dans Le Professionnel. C'est un film très distrayant, mais bon, c'est quand même le degré zéro de l'analyse du renseignement au cinéma, même si c'est un film par ailleurs mythique. Mais voilà, c'est ce que c'est. Ça n'intéressait pas, c'était sale, c'était finalement très compliqué. Et je pense qu'il y avait effectivement une appétence très faible des Français pour le sujet, considérant que le renseignement, que les espions en particulier, étaient un mal nécessaire. Voilà, on a besoin d'espions pour faire des trucs dans les anciennes colonies, pour aller serrer la main au diable, dans les montagnes du Liban ou ailleurs. Mais bon, voilà, c'est pas intéressant, c'est pas glamour. Pour la presse, c'est pareil. Bah, moi, je montre à mes enfants 1000 milliards de dollars, le film d'Henri Verneuil. Un des rares films, qui est par ailleurs très lié au film de Pacula sur le Washington Post, sur l'affaire du Watergate. Mais on en trouve peu des films. Avec Patrick Devers, avec toute une bande d'acteurs français de l'époque remarquable. Ce sont des films compliqués aussi. Parce que finalement, qu'est-ce qui est facile à montrer de renseignement à l'écran ? C'est de courir partout avec une voiture de sport, ou pour des films spectaculaires, pas réalistes, mais bien faits, comme la série de Jason Bourne, les espèces de surhommes qui distribuent des pains sans jamais se blesser, sans jamais avoir mal. Inspiré des ouvrages de Robert Ludlum. Tout à fait. Enfin, inspiré et, oui, et grossi. Poursuivi, grossi, voilà. Au Burin même. Montrer le renseignement de façon réaliste, c'est ennuyeux. Alors, les romans de Graham Greene ne sont pas nécessairement haletants. Les romans de Jeanne Le Carré, moi, je les lis en faisant des schémas. Parce que, voilà, quand vous voyez La Taupe, l'adaptation récente du roman éponyme de Jeanne Le Carré... Avec Gary Oldman, c'est incompréhensible. La première vision, on dit, mais qui fait quoi ? Alors, c'est quasiment bon. Une œuvre d'art, tellement c'est incompréhensible. L'enquête analytique... Le renseignement n'est pas intéressant. Donc, comment on la montre ? On la montre par les policiers, avec une enquête criminelle. Mais ce que disait Rochon était très juste, c'est-à-dire que l'enquête policière, le polar, c'est sur un fait divers, sur un crime. À la fin, la résolution du crime clôt l'histoire. Là, en l'occurrence, sur du contre-espionnage, du contre-terrorisme, vous pouvez arrêter une taupe, tuer ou faire tuer un terroriste. Le combat continue. Donc, c'est une lutte sans fin permanente. Les journalistes. Permettait et nous permettait, enfin me permettent moi par exemple à Sciences Po, de montrer ce que c'est le renseignement. Les hommes du président, c'est un film modèle. Je ne vois pas de différence dans la vie quotidienne entre le duo Bernstein. Woodward. Le fameux Woodstein. Le mélange des deux, là, le binôme génial, et la vie quotidienne d'une analyse d'un service de renseignement. Source complexe, recoupement, pression de la hiérarchie, est-ce qu'on diffuse, est-ce qu'on ne diffuse pas, ce que vous savez parfaitement faire ici. Est-ce qu'on diffuse, est-ce qu'on ne diffuse pas ? À quel moment on le dit ? Alors, il nous reste 2 minutes et je voulais vous faire réagir parce que c'est au cœur du Bureau des légendes une, je dirais pas une fascination, mais une appétence, une attirance, et on est au cœur de la complexité dont vous parlez dans le Bureau des légendes, qui est celle de la trahison.
la trahison de Malotru, alors au profit d'un service allié d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est moins grave de trahir pour un service allié ou si c'est aussi grave que trahir pour un ennemi. Et je suis venu avec un ouvrage de l'immense George Steiner et des écrits qu'il avait fait pour le New Yorker. Il a beaucoup écrit, pas que, hein, mais sur les services de renseignement, en tout cas sur l'univers du secret. Et je voulais juste vous faire réagir à une phrase de lui sur la trahison. Je cite « La dualité naissante est le démon de l'agent secret. Comment pourrait-il en être autrement? L'art de l'espionnage repose sur l'intimité avec la partie épiée. L'agent doit se fondre dans la cité ennemie. Le briseur de code s'insinue dans le cœur labyrinthique du codeur. Je saute. Piégé dans la mystérieuse toile de sa couverture, enfumé, démasqué, l'agent de renseignement se voit souvent offrir l'échappatoire d'une seconde trahison. » Est-ce que la trahison, c'est le risque permanent de l'agent? Est-ce que c'est la face cachée, la face sombre qu'on a toujours à l'esprit quand on fait ce travail, par proximité avec son sujet? Vous avez 2 heures. Ça ne suffira pas. Tout dépend du sujet. La trahison est une inquiétude permanente de la structure en elle-même, quelle qu'elle soit. Culturellement, un service se protège d'abord du monde extérieur dans lequel il travaille, parce qu'il sait que le service d'en face fait la même chose et tente de pénétrer. À titre individuel, est-ce qu'un djihadiste va vous séduire par son projet politique et social, sa violence, ce qu'il fait? Peut-être pas. Est-ce que vous pouvez être séduit par le projet idéologique, les fameux transfuges britanniques de la guerre froide, hein, la bande de Burgess, Blunt, et toute la Philby. Ouais, formidable récit sur Anthony Blunt, Kim Philby. La question de la trahison, c'est la question de votre aussi éthique personnelle. À quel moment est-ce que vous allez considérer que vous travaillez du mauvais côté? Ou que la lutte que vous menez n'est pas celle que vous vouliez mener, qu'elle n'est pas juste? C'est la question, si on va jusqu'au bout, de la résistance. Est-ce que vous trahissez un système qui est légitime par sa légalité, par le fait qu'il ait été adoubé par le Parlement, ou est-ce que vous le servez fidèlement, ou est-ce que vous considérez qu'il est, tout en étant légal, parfaitement insupportable? Il y a des gens qui ont trahi pour la Corée du Nord. On imagine que le réveil a été brutal. On a eu à une époque toute la vague des détournements d'avions vers Cuba. Hein, j'ai choisi la liberté, on va à Cuba, on en revient un petit peu déçu quelques années plus tard. C'est un questionnement, effectivement. On le voit dans les forces armées. Vous savez qu'il y a quelques djihadistes qui ont été militaires français. Donc on essaie de combattre 2 ennemis, celui de l'extérieur et puis celui qu'on a en nous-mêmes. On est censé contrôler sa propre puissance. Ben on va terminer sur ces mots-là. Merci beaucoup Yves Trottignon. Je rappelle l'ouvrage dont vous êtes l'auteur, « Politique du secret, regard sur le bureau des légendes ». C'est aux presse universitaires de France, au PUF. Et on continue notre soirée sur le royaume du secret et le bal des espions. C'est le titre de la soirée avec de nouveaux invités et Mathieu Suc pour tenir la conversation. À tout de suite.
Et nous voilà de retour pour le dernier débat de ce Mediapart Live intitulé « Le bal des espions ». Alors, maintenant, nous allons voir, nous avons vu l'entrisme d'un pays très offensif. On pourra voir qu'il y a d'autres pays aussi qui ne se privent pas. Et la France n'est pas exempte non plus de toute tentative. Nous avons vu le mythe, le cinéma, la représentation des espions. Là, on va essayer de voir concrètement et de manière le plus pédagogique possible comment travaillent les espions, enfin, dans la limite de ce qui pourrait être dit certainement, avec deux invités. L'un est présent sur site à la rédaction de Mediapart et on l'en remercie, c'est Philippe Hayet. Bonsoir. Donc, bonsoir. Vous êtes haut fonctionnaire, ancien directeur adjoint du renseignement à la DGSE et votre dernier ouvrage, qui est une somme qui brosse de manière assez complète et incroyablement précise cet univers, ça s'appelle « Leçons sur le renseignement » que vous avez coécrit avec l'ancien directeur de la DGSE, Jean-Claude Couserans. Et avec nous, mais de manière un peu plus lointaine, un peu plus distante, Olivier Chopin, qui sera par Skype. Alors lui, il est chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste aussi des questions de renseignement. Il enseigne la sécurité internationale à Sciences Po. Je ne sais plus si j'ai dit, mais je crois que vous aussi, vous êtes professeur à Sciences Po. Et le dernier ouvrage, deux des derniers ouvrages d'Olivier Chopin, c'est « Pourquoi l'Amérique nous espionne ?» Donc il n'y a pas que la Russie. Et aussi, il est co-auteur de « Renseignement et sécurité » avec Benjamin Houdet, qui est aussi un de nos plus éminents chercheurs sur la question. Mmh. Alors, Olivier Chopin, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, avant de détailler les techniques qui composent le travail des services de renseignement, j'aimerais revenir, vous décortiquez ce qu'un ministre de l'Intérieur, cherchant à répondre à une polémique, avait qualifié de plum-pudding des services de renseignement. Vous détaillez concrètement, c'est-à-dire vous donnez des exemples concrets. Aux États-Unis, vous avez énuméré, il y a 17 services qui composent la communauté du renseignement. Au Japon, 5. En Australie, 6. En France, 6 dans ce qu'on appelle la première communauté, le premier cercle, pardon, de la communauté du renseignement. Et 18 dans le second cercle. Mmh. Alors, ma première question à tous les deux, est-ce que c'est impossible de faire simple en matière de renseignement ? Sur les organisations de renseignement, d'abord, cette notion d'une agence de renseignement, d'un service de renseignement, est une notion relativement récente, puisqu'elle date du 19e siècle. Si on fait un flash historique, le renseignement est d'abord une pratique vieille comme la Bible et même avant. C'est devenu vers le 17e, 18e siècle un métier, on en a parlé j'imagine plus tôt dans la soirée, et ça n'est une organisation, donc un service, que depuis le 19e siècle. Il n'y a pas de nombre d'or. Vous avez cité des nombres pour ne parler que des démocraties. On pourrait dire dans un certain nombre d'États qui sont moins des démocraties, on divise pour régner. Et donc il y a encore, dans la Syrie d'Assad, père, par exemple, il y avait encore plus de services pour éviter qu'un seul service ne concentre toutes les fonctions. Mais nous avons objectivement une croissance depuis quelques dizaines d'années du nombre de services dans beaucoup de pays. Alors pourquoi ? D'abord parce que les modes d'organisation, ce n'est pas comme l'armée. Je veux dire, il n'y a pas un modèle unique qui s'impose au sein de l'OTAN ou ailleurs. Vous avez des agences qui sont organisées par fonction, des agences contre-terroristes, des agences de contre-espionnage, donc on est sur des fonctions du renseignement. Vous avez des agences qui sont organisées en fonction des techniques qu'elles mobilisent, des agences techniques, la fameuse NSA, le GCHQ à Londres. Bon. Et puis vous avez des rattachements ministériels qui font que certaines agences, notamment dans les pays continentaux comme les nôtres, sont plutôt rattachées au ministère de l'économie et des finances. C'est le cas en France pour deux des services que vous avez cités, enfin du premier cercle. Donc c'est un peu magmatique, en effet. Je rappelle, je le redis, il n'y a pas de nombre d'or. Ce qui paraît important, c'est que cet ensemble soit piloté, coordonné, harmonisé dans ses coopérations, dans sa déconfliction. Bon. Pour revenir à la France, et je m'arrêterai là, le comptage des services a progressé, puisqu'effectivement, en 2008, donc il y a 10 ans, on dénombrait 6 services, ce qu'on appelle du premier cercle,
deux dans chaque ministère, intérieur, défense et économie et finances. Et puis nous arrivons aujourd'hui à un nombre qu'on peut discuter encore, qui est à ma connaissance d'environ 25. Le petit dernier, c'est quoi? Il date de l'année dernière. C'est une question que je vous pose. La task force Non, le petit dernier, c'est le bureau central de renseignement pénitentiaire. Donc ça veut dire que le ministère de la Justice, lui aussi en France, a son petit service. Il travaille sur les prisons. Qu'est-ce que c'est qu'un service de renseignement? Ça qui est pareil, garder à l'esprit. Sinon, on parle de tout le monde peut s'instituer, toute administration peut se prétendre service de renseignement. C'est un service qui est habilité par la loi, en principe, à utiliser des techniques spéciales. Bon, et donc en France, on a une loi depuis 2015, il n'y avait rien avant, c'est vrai, si ça vous intéresse. Et depuis, un certain nombre de services ont été autorisés, et ça évolue par décret, en l'occurrence la création du renseignement pénitentiaire, pour être autorisés à utiliser des techniques qui sont particulièrement intrusives pour les citoyens sur le territoire national, par exemple la pose de balises sur une voiture, évidemment avec des conditions de contrôle et de pilotage. Voilà. Donc, ce n'est pas le foutoir. C'est compliqué, on va plutôt dans une expansion, ce qui doit nous conduire à anticiper le fait que, imaginez que demain, on considère en France, vous savez qu'il y a un débat sur la participation des maires, l'information des maires, sur les fichiers, etc., mais qu'on imagine qu'on franchisse le pas, puisqu'il y a bien des polices municipales, et qu'on dise, mais après tout, c'est pas complètement idiot que dans certaines grandes municipalités, il y ait des services de renseignement habilités à utiliser, et bien on en aura 40, 50, 60. Vous venez de donner des rêves à plein de maires de France. Mais, Monsieur Chopin, vous, quel est, est-ce que effectivement, c'est en train de grossir et de devenir un peu compliqué? On l'avait, alors vous m'excuserez, j'ai un peu oublié, mais on avait publié il y a quelque temps le nombre d'organes de coordination, parce que à force d'avoir des services de renseignement, il faut que ça communique aussi entre eux. Il y a des petites querelles, on y reviendra. Il y a des organes de coordination entre services. Même des organes de coordination entre services, et à force de tellement se coordonner, est-ce qu'on y arrive vraiment? Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monsieur Chopin, de tout ça? C'est une des vraies problématiques du management public, si on peut dire, de cette politique publique de secret, pour reprendre la formule de Philippe Hayet, qui est assez importante aux États-Unis, effectivement, avec les 36 organisations qui sont institutionnalisées et qui rapportent à la fois à l'exécutif américain, c'est-à-dire la Maison-Blanche, mais aussi à un certain nombre de ministères de tutelle et au Congrès des États-Unis, qui a des pouvoirs de contrôle. Ils sont arrivés à une situation où il y a des task forces transversales dans toutes les directions, où il y a des coordinations fédérales, des coordinateurs de coordinateurs. Ils avaient essayé de, en quelque sorte, pas simplifier, mais de recentraliser tout cela autour d'une nouvelle fonction à partir de 2004, qui est le directeur national du renseignement, le DNI, qui a un bureau autour de lui. Ce bureau est en excroissance totale, avec maintenant plus d'un millier de personnes qui travaillent à l'intérieur de ce bureau de coordination. Et quand on regarde même l'organigramme interne de l'Office of the DNI, du bureau du coordinateur national du renseignement américain, c'est d'une complexité folle. Quand nous faisons des cours à Sciences Po, Philippe Hayet ou moi-même, on peut passer du temps à décrire ces organigrammes avec les étudiants. Il nous faut parfois des morceaux importants de séances pour le faire. Vous êtes en train de révéler que ce n'est pas une spécificité française. Donc En France, on est quand même sur un nombre de services un peu plus limité, j'allais dire raisonnable, mais après, bon, le modèle américain est organisé en fonction de ses besoins et de ses capacités. C'est pas plus raisonnable d'avoir peu de services que d'en avoir beaucoup, si vous êtes capable d'éviter justement soit les redondances, soit le fait que les services vont pas forcément lutter les uns contre les autres, parce qu'il y a beaucoup de mythologie autour de la guerre des services ou des polices, c'est des réalités qui existent, mais il y a aussi très souvent simplement des missions qui sont mises en parallèle, et qui ne vont pas forcément être bien coordonnées. Donc c'est pour ça que la coordination à l'intérieur de chaque État est un vrai problème. C'est presque plus difficile pour un gouvernement de faire collaborer ses propres services sur un objet commun que parfois d'avoir des collaborations horizontales internationales entre des gens qui ont les mêmes méthodes et qui ont les mêmes visions d'un problème. C'est-à-dire qu'un douanier américain, un douanier français, un douanier britannique vont parfois s'entendre beaucoup plus entre eux qu'avec quelqu'un du renseignement militaire, des forces spéciales, ou qu'un analyste de la CIA ou de la DGSE. Donc en fait, il y a aussi toute une notion autour de la coordination qui est la combinaison des méthodologies, parce que le renseignement, là je laisserai Philippe Hayet le dire avec beaucoup plus d'autorité que moi, mais c'est une collection, une constellation
ou un archipel de métiers très différents les uns des autres. Et certains services sont spécialisés dans des métiers. Tout à l'heure, Yves Trottignon rappelait une spécificité de la DGSE qui est de combiner beaucoup de métiers qui, ailleurs, sont confiés à des services différents, avec des structures de coordination au-dessus d'elles. Effectivement, en France, on a un modèle qui tend à resserrer le nombre de services, même s'il y en a de plus en plus, en effet, autour de méthodologies qui sont assez transversales et assez verticales à l'intérieur de chaque service. Ensuite, on sait... Il y a cette volonté depuis 2008 d'avoir une coordination nationale du renseignement auprès de l'Élysée. Bon, là, ça renvoie aussi à des problématiques très particulières de l'ordre constitutionnel français, qui est qu'il y a à la fois le gouvernement, le Premier ministre, qui est entouré d'un certain nombre d'organes qui doivent coordonner le renseignement un peu comme un objet interministériel. Et puis, il y a le fait que le chef des armées est celui qui est en charge du domaine réservé, c'est le président de la République, et qu'il doit se doter d'un organe capable, à minimum, de faire remonter les grands éléments de planification et de décision autour de lui. Mais ce Conseil national du renseignement, cette coordination nationale du renseignement, pour l'instant, à ce qu'on en sait, n'a pas eu de vocation opérationnelle. Ils sont supposés produire un peu d'analyse prédictive, mais on reviendra sur cet aspect, sur l'analyse après. Alors, vous parliez tout à l'heure, Olivier Chopin, de guerre des polices, de guerre des services, laissant entendre qu'il y avait peut-être plus de parts de mythe que de réalité. À Mediapart, nous sommes souvent mauvais esprits, on va être conforme à ce reproche qu'on nous fait souvent. Et puis, je vais aller aux meilleures sources. On va citer M. Hayé, qui dans son livre, et M. Couserand, je ne sais pas de qui ça vient, cite eux-mêmes John le Carré, qui dans un de ses romans disait « Les chefs de services de renseignement français qui passaient plus de temps à s'espionner les uns les autres que leurs ennemis supposés. » Donc, ce ne sont pas que des journalistes qui disent ça. Et puis, j'imagine que vous ne nous ferez pas de grandes confessions, mais enfin, on connaît tous les rivalités qui peuvent animer certains services, les rivalités à l'intérieur d'un même service entre certains hommes, certains chefs. Est-ce que cette guerre des polices, cette guerre des services qu'on chronique régulièrement, est-ce que c'est une spécificité française? Et surtout, est-ce que ça nuit véritablement, opérationnellement, au travail des services de renseignement? Est-ce que c'est un frein? Ou au contraire, la rivalité, des fois, est-ce que ça peut être au contraire quelque chose qui pousse? Alors, c'est une question complexe. Bon, le Carré est cité pour le... pour sa dérision, c'est un trait de la perfide Albion, et ça, son jugement porté sur une période quand même qui remonte à plusieurs décennies. Bon, mais les services français. Forcément... Alors, moi, je ne retiens pas, enfin, je ne sais pas ce que c'est que la guerre des services, sauf une commodité de presse. Qu'il y ait une tension, qu'il y ait une rivalité, qu'il y ait une concurrence entre les services, ça ne me choque pas, c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que là, on était parti sur une vision un petit peu d'organisation. On voit bien Olivier parler des organigrammes, etc. Et on peut avoir la tentation, si on était au Boston Consulting Group, de faire un jardin à la française, fusionner comme des entreprises, des filiales, des choses comme ça. Derrière, d'abord, le renseignement est une affaire politique et pas une affaire d'entreprise. Et derrière les organisations, ces agences dont nous parlons, en France par exemple, il y a des hommes et des femmes. Bon. Et donc, on est obligé de considérer qu'il y a ce qu'on appelle un ethos, un système de valeurs, parce qu'on on s'incarne, vous employez la notion de balle des espions, c'est une expression qui... Les responsables, les praticiens du renseignement, les professionnels du renseignement, ce sont d'abord des militaires, des policiers, des douaniers, voilà. Et donc, cette sociologie... Cette psychologie de douaniers, de policiers, militaires, ou une psychologie un peu plus hybride de personnel du renseignement extérieur, elle s'exprime assez naturellement par des visions du monde, par une manière de regarder l'autre agence. Ça vaut aussi naturellement sur le plan transnational. Bon. Et donc, c'est pas en soi choquant. Je veux dire, c'est une réalité. Ce serait s'aveugler de considérer que tout ça est un monde qui vient de la même formation, j'espère que non, qui a les mêmes pratiques. Après, il faut les piloter, il faut les diriger. C'est la responsabilité des directeurs d'agence que de créer une émulation et veiller à un bon ordre. Il peut y avoir des rivalités, vous le savez, c'est un peu comme les fractales entre services d'un même service, entre sous-directions. On a connu ça, Yves Trottignon aurait pu vous parler d'un certain nombre d'épisodes historiques pour le renseignement extérieur. Il faut y veiller. Bon. Après, le pilotage conduit de toute façon à faire travailler ensemble les services.
Qu'est-ce qui justifie la croissance, la diversification du nombre d'agences, l'augmentation de leurs moyens humains, techniques, financiers? C'est la lutte contre le terrorisme depuis 30 ans. Bon. Et donc, s'il y a bien un sujet qui est trans, c'est le terrorisme. On peut pas dire, ça relève, les lois n'ont rien à faire, le renseignement extérieur doit... Il y a un principe politique qui est que comme c'est une affaire qui frappe les intérêts nationaux, les intérêts français, accessoirement les citoyens et le territoire français, c'est le ministre de l'Intérieur qui est le chef politique, sous l'autorité du président et du Premier ministre, la lutte. Donc tout converge vers le ministre de l'Intérieur et les services qui y sont rattachés. Mais c'est... Chacun y a sa part. Bon. Et donc, ce à quoi il faut veiller, c'est très difficile, c'est en amont, j'allais dire en aval d'une affaire, ou quand une menace se déclenche, qu'il y ait bien, et on sait qu'il y a eu des échecs, il y a eu des lacunes, il y a eu des limites, donc c'est un travail permanent que de les piloter, que ces services travaillent ensemble. Voilà. Mais faut pas voilà, garder service, on a l'impression que ce seraient des enfants qui jouent dans un bac à sable à se piquer leur seau. Parfois, ça peut être il faut les écouter. Moi, j'invite quiconque à se livrer à des études sociologiques sur les professionnels du renseignement pour montrer leur diversité, essayer de comprendre comment un policier du renseignement fonctionne, comment un militaire du renseignement fonctionne. Et d'ailleurs, pour aller... dans votre sens, il est vrai, vous parliez du bureau pénitentiaire tout à l'heure. On a eu aussi un autre exemple, enfin qui me vient, c'est par exemple la création de la DRM qui arrive après la première guerre en Irak, où on constate qu'il y a un manque et qui permet de le combler. Mais en même temps, je poserai une question que vous posez dans votre livre, mais que je poserai à Olivier Chopin. Et franchement, c'est une question ouverte, je n'ai aucune idée préconçue là-dessus, mais... est-ce que la distinction entre le renseignement intérieur, c'est-à-dire la DGSI, et le renseignement extérieur, DGSE, est encore pertinente? Est-ce que certains brandissent cette idée de fusion, de faire un super service? Est-ce que ça serait utile, efficace? Est-ce que, au contraire, restons comme nous sommes? Il y a le fantasme de l'unification est intéressant, mais c'est parce qu'il faudrait que la magie bureaucratique permette en fait d'éviter que se reproduisent en interne d'éventuels conflits ou d'éventuels principes de différenciation, comme disait Philippe Hayet, qui se jouent entre les services aussi parce qu'il y a des cultures, des métiers, des cultures organisationnelles et des métiers très différents dans les différents services. Donc ça, je ne crois pas du tout que créer des super services ou regrouper les services n'ait jamais été la solution. D'ailleurs, on observe plutôt la tendance inverse. Il y a quelques fusions aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, on fusionne par exemple les services de surveillance électronique et celles de cyberattaque, de capacité de rétorsion en cas d'attaque, parce que là, il y a des logiques de moyens et des logiques opérationnelles très fortes. Mais quand on fusionne, c'est toujours compliqué, comme un peu dans l'univers des compagnies privées, une fusion-acquisition, c'est en fait toujours une acquisition. Il y a toujours quelqu'un qui finit par acquérir l'autre. Ça a été une des problématiques de la création de la DCRI puis de la DGSI quand la DST et les RG ont été fusionnés dans un premier temps. Donc non, je crois qu'il y a un fantasme de dire que ce qui se jouerait à l'intérieur d'une hiérarchie administrative serait plus facile à gérer que ce qui se joue à l'extérieur. Après, voilà, par rapport à votre question sur le renseignement intérieur-extérieur, la place du renseignement militaire, un peu comme troisième terme de ce débat entre la DGSI, la DGSE et la DRM, ça renvoie à ce qu'en études de sécurité, on présente comme le continuum sécurité-défense, c'est-à-dire que de plus en plus, la sécurité intérieure dépend de notre capacité de projeter notre puissance à l'extérieur, notamment avec des moyens militaires pour aller opérer au loin sur des éléments de sécurité. Ici, c'est le sens d'interventions qui ont lieu de la Syrie au Sahel. Et puis, il y a aussi cette idée qu'on ne peut pas soudainement s'arrêter de suivre un individu dont on aurait tracé le trajet à l'étranger et de tout donner soudainement à un service intérieur. Donc, on a les services extérieurs qui ont des capacités d'action à l'intérieur, des services extérieurs qui ont une forme d'action au loin. Pour sortir du cadre strictement français, le FBI maintenant a des bureaux permanents dans les ambassades d'un très grand nombre de pays, et la loi américaine leur permet de continuer à mener des enquêtes à l'étranger comme s'ils étaient sur le territoire américain. Donc il y a effectivement des formes de porosité de plus en plus fortes. La notion de frontière et la notion d'espace et de territoire, qui sont des vieilles notions géographiques, sont en cours de transformation dans ces notions de sécurité.
Après, c'est quand même sans doute une bonne chose que tout le monde puisse agir dans les deux espaces, mais la spécialité du sien. Et justement, je pense que par exemple dans l'antiterrorisme, il peut y arriver qu'il y ait des couacs et des choses comme ça, mais je n'imagine vraiment pas que les services utiliseraient des occasions ou des suspicions de menées terroristes pour se faire des guerres entre eux. On est quand même sorti vraiment de ces logiques fortes. Et alors là, je ne vous livre pas une connaissance interne, je n'ai aucun lien avec l'intérieur des sphères du secret en tant que tel, mais quand les gens qui sont en charge de ces questions vous en parlent, quand vous les interrogez en tant qu'universitaire, ils remarquent tous qu'il y a éventuellement des compétitions, qu'il y a éventuellement des tensions, notamment effectivement entre les chefs politiques qui ont des carrières à mener ou qui cherchent à avoir l'accès au ministre, l'accès au président, mais quand même, grosso modo, les services collaborent et contribuent tous à la sécurité nationale. Et pour abonder d'ailleurs là-dessus, c'est vrai que, et à Mediapart, on s'en est fait souvent l'écho des problèmes qu'il y avait. Il faut être honnête, depuis 2015 ou peut-être 2016, on a des gens des services, quand on les rencontre, qui nous disent du bien des fois du service d'à côté, ce qui est quand même une évolution notable et ça a l'air plus fluide. Après, on n'est pas dans le secret des dieux, nous non plus. Il y a peut-être des zones de tension qu'on ignore, mais c'est vrai que ça va plutôt dans le bon sens pour l'instant. Mais vous vouliez intervenir. Oui, je voulais compléter la réponse d'Olivier, parce que votre question sur la fusion possible des services. D'abord, le modèle que vous soulevez dans votre livre. Le modèle de la fusion, c'est j'ai parlé de diversification en Syrie, mais c'est le KGB. Hein, le KGB, c'est c'est l'État renseignement, c'est les structures de pouvoir. Bon, c'est pas tout à fait le modèle auquel on aspire dans une démocratie. Ce qui reste, on peut toujours discuter de resserrement, rapprochement, etc., enfin, sur tous les sujets. Encore une fois, il n'y a pas de modèle qui s'impose dans une démocratie. Mais il y a quand même quelque chose de fondamental, car Olivier a raison de dire que les menaces sont continues. Hein, le terrorisme est un exemple, le crime organisé, les cybermenaces. Donc on est dans le trans, là aussi, transnational. Bon, donc ça justifie une convergence des travaux, mais chacun y a sa part. Bon. On peut aussi faire valoir que les techniques elles-mêmes sont des techniques qui sont des techniques qui c'est la mutualisation, hein, sont partagées. Il n'est pas anormal que l'imagerie, le renseignement technique, etc., soit partagé. Après, il y a des questions de coûts et d'efficience. Ce qui reste pour justifier la dualité, parce que je crois que c'est ça le modèle dans une démocratie, c'est une dualité qui est fondée non pas donc sur des raisons liées aux menaces, non pas sur des raisons liées aux techniques, mais sur notre théorie vieille de plusieurs siècles de la souveraineté. Qu'est-ce qui est sous le contrôle de l'État, qu'est-ce qui est hors du contrôle de l'État, et, ce qui est un peu plus moderne, la théorie des droits des citoyens. Les citoyens, en matière de renseignement, les citoyens français, ont plus de droits que ceux qui sont à l'extérieur du système. Et donc, dans les systèmes, si on regarde la manière dont sont pilotés, contrôlés, il y a quand même cette question, c'est pas la frontière physique, effectivement, qui n'a plus grand sens en tant qu'en Europe, c'est le fait que franchir le pas et considérer que, alors soit donner les mêmes garanties, on peut y penser, hein, les mêmes garanties aux étrangers qu'aux Français, soit réduire les garanties des citoyens français et les traiter comme des aliens, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Alors il y a des évolutions, il y a des atténuants. Je prends par exemple la loi allemande, c'est intéressant, d'octobre 2016, c'est une loi qui est de deuxième génération par rapport à la nôtre, hein, de 2015, donc qui est plus moderne par certains aspects, adaptée aux besoins allemands. Eh bien, elle crée trois catégories dans les droits qui sont, donc des droits qui sont, et donc des systèmes de contrôle qui bénéficient aux citoyens allemands, le vaste monde, donc là, peu de droits, et les Européens, catégories intermédiaires, qui ont certains droits du point de vue de la législation allemande. Voilà. Donc, on restera, je pense, alors, sur la fusion, les Espagnols ont tenté ça avec le CNI qui a été créé après les attentats de Madrid en 2004. Les Suisses, il y a deux ans, ont fusionné leurs services, mais on ne peut pas comparer. Par exemple, les Suisses, avec tout le respect qu'on doit à cette éminente puissance, n'ont pas d'ambition de projection à l'étranger, comme nous-mêmes, ou de responsabilité liée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, on a vu l'aspect organisation, on va maintenant commencer à voir les différentes phases du travail de renseignement. La première d'entre elles, celle qui est quasiment à l'origine, la collecte du renseignement. Alors, on va surtout se concentrer, même si on a du temps, on ne peut pas tout faire, sur les sources humaines, ce qui parle le plus aux gens. J'ai noté dans votre ouvrage, M. Hayet, vous faisiez une comparaison avec le travail de journaliste en disant un espion traite des sources comme un journaliste, mais par contre, à la différence d'un journaliste, il oriente
sa source sur les recherches qu'il souhaite faire, il la rétribue éventuellement, et il peut transmettre, quand il change lui-même de mission, parce qu'un espion a une carrière, et peut changer d'affectation, et il va transmettre à son successeur cette source. Il y a beaucoup de mythes sur les sources, on en a déjà un peu parlé à travers nos débats précédents. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous détailler peut-être quelles sont les différentes sources du renseignement humain ? Allez-y. Oui. Elles sont liées, les sources du renseignement humain, les sources humaines, hein, vous êtes dans ce domaine, elles sont liées à la diversité des missions des services. Si les services travaillent sur le terrorisme, ils vont aller chercher des sources qui peuvent leur apporter des informations dans le domaine. Si c'est du renseignement géopolitique, qui s'intéresse à une région particulière d'intérêt, elles auront ce profil-là. Donc là, il y a une grande diversité des sources qui répond aux besoins. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, la recherche humaine, puisque vous parlez de cela, c'est une activité indirecte de recueil d'informations. Parce que la modestie de l'officier de renseignement, l'officier traitant, puisque c'est l'expression qui est administrativement la bonne, c'est quelqu'un qui traite en effet une source. Donc on est dans une première dualité, l'officier traitant et la source. L'agent, et souvent l'agent, il est à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur, en principe. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On a, quand je dis c'est une activité indirecte, il y a deux usines. Vous avez une première usine, un bon service de renseignement qui travaille en recherche humaine, eh bien, il recrute, il entretient, il nourrit, il développe, hein, il y a un aspect un peu fermier, un réseau de sources, et la valeur d'un service sur un sujet donné, à un moment donné, dépend de la valeur de ses sources. Hein, c'est un peu, on peut le dire ça aussi peut-être d'un réseau de contact, je ne sais quelle profession. Bon. Et ce sont ces sources qui vont produire des informations, des renseignements, donc des sources, des renseignements non accessibles par d'autres manières, donc des secrets, qui seront eux-mêmes l'objet des analyses. Vous voyez, c'est une activité à deux degrés. Donc un bon service, c'est un service qui gère de manière dynamique son potentiel de source. Alors recruter une source, c'est pas une activité c'est pour ça qu'il y a un temps du renseignement. L'enseignement technique a son temps, mais celui-ci aussi, ça prend du temps. D'où l'importance de ce qu'on appelle dans le jargon l'orientation, c'est-à-dire que finalement, les objectifs de sécurité de la France dans 10 ans, quels sont-ils ? Ça va même au-delà des plans, des livres blancs, etc. Qu'est-ce que, voilà. Et donc là, il y a un dialogue, c'est pour ça qu'il y a une direction de la stratégie, par exemple, à la DGSE, un dialogue avec les autorités pour anticiper, à cet horizon-là, des besoins, et donc créer l'usine qui convient pour répondre, en matière de recherche humaine, aux orientations des autorités. Alors, il y a un exemple, parce que souvent, on va représenter la source, et on a un peu la même chose dans le journalisme. Vous savez, c'est le mythe un peu de la gorge profonde de la source qui vous amène la grosse info clé en main. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire souvent, vous allez récupérer, enfin les services de renseignement récupèrent des bouts d'informations auprès d'une source, vont le confirmer auprès d'une autre et reconstituer un puzzle. Et vous avez le problème, si j'ose dire, des mauvaises sources. Vous en évoquez quelques-unes dans votre ouvrage. L'exemple, l'archétype, l'agent double, ce médecin qui va aller se faire exploser dans le camp de Kost en Afghanistan et décimer la CIA qui n'imaginait pas que sa source pouvait en fait jouer un double jeu. Ou vous avez l'autre exemple que j'aimerais beaucoup que vous nous développiez parce que ça montre, au-delà des théories du complot ou des choses, c'est l'exemple de celui que vous appelez Curveball. Qui est quelqu'un qui est un de ceux qui est responsable, si j'ose dire, de l'invasion américaine en Irak. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce cas-là ? Parce que c'est très révélateur. On ne parle que des sources qui posent problème. Hein, celles qui fonctionnent, qui sont productives, sont plus discrètes. C'est quand même, j'espère, l'essentiel. Mais la source à laquelle vous faites allusion, Curveball, c'est l'appellation de la CIA, c'est le pseudonyme de cette source. Nous sommes au début des années 2000, donc avant l'invasion américaine de l'Irak. C'est un ingénieur irakien qui échoue dans des conditions assez classiques dans un camp en Bavière de réfugiés,
Bon, et qui, pour justifier sa présence, son droit au séjour, commence à dire « j'ai des choses intéressantes à dire ». Bon, donc c'est les services allemands, dans un premier temps, qui le découvrent, et il commence à construire un récit, qui est un récit disant « mais moi, j'ai travaillé sur les programmes militaires irakiens, et les laboratoires mobiles d'armes bactériologiques ou chimiques, je connais, je sais ce que c'est, etc. » Et donc il construit un récit. Et là, emballement, c'est en effet une faute technique des services, c'est facile de le dire. Bon, mais on aurait. La France a su repousser quelques offres alléchantes à ce même moment. Il attire l'attention des Allemands qui se précipitent en quelque sorte sur une source qui dit des choses qu'ils voulaient entendre, que l'Allemagne, enfin c'était l'air du temps, on cherchait les preuves du vrai programme secret de Saddam. Mauvaise transmission aux services américains qui. Coopération malmenée, ont accès aux renseignements, mais n'ont pas accès direct à la source, parce que les Allemands veulent protéger la source, et puis ils ne parleraient pas de la même manière aux Américains. Plusieurs agences américaines, renseignements militaires, CIA ensuite, tout ça monte gentiment en soufflé, et arrive, alors on peut toujours discuter sans fin des thèses sur pourquoi les Américains, quels étaient les bureaux mobiles, et est-ce que le renseignement a compté ou pas. Toujours est-il que dans les fameuses preuves que Colin Powell, à la tribune des Nations Unies, à côté de Dominique de Villepin, a brandi, vous vous souvenez du PowerPoint, etc., ce sont effectivement les fausses preuves que cette source Curveball a apportées. Donc c'est très grave, ça fait l'objet d'un ensemble d'analyses, ce qui prouve que quels que soient les noirs desseins politiques des autorités américaines de l'époque, il y a eu quand même des fautes techniques des services. Et alors, Olivier Chopin, sur le cas de ces sources, on va venir sur le cas de la France. Alors, pour éviter d'être polémique, je préciserai que sur 2016 et 2017, quelques-uns des pires attentats qui ont pu être évités l'ont été grâce à des sources ou à des infiltrations, à un travail vraiment sur le renseignement humain. On ne rentrera pas forcément plus dans le détail. En revanche, on avait publié à Mediapart une enquête sur la vie quotidienne dans les services de renseignement il y a 2 ans, où on nous expliquait qu'au MI5, ils étaient 200 dans le service qui traitait les sources humaines sur la thématique de l'islam radical sunnite, et qu'en France, à la DGSI, ils étaient 10 pour cette même chose, et revenaient quand même de manière assez générale, et ça même était dit des fois publiquement, pas seulement dans les articles de Mediapart, on parlait du traumatisme Mera. Donc, pour resituer... on se souvient que Mohamed Merah, ça avait fait l'objet de polémiques. Il va avoir, au retour de ses voyages en zone pakistano-afghane, va avoir un débrief avec la DCRI qui envisage de le recruter, qui finalement ne le recrute pas. Mais quand, quelques mois après, Mohamed Merah commet les crimes que l'on sait, ça a suscité une grande polémique. Et ça revient très régulièrement... dans les discussions des officiers de renseignement, notamment de la DGSI, cette espèce de chose sur maintenant nos chefs ont peur de la source humaine. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que c'est quelque chose comme ça, ce ressenti que cette histoire a pesé sur nos services de renseignement ces dernières années? Écoutez, honnêtement, je ne sais pas si je peux vous répondre comme si je savais ce qu'éprouvent les chefs des services français ou ce que ressentent les officiers de renseignement qui leur communiquent des sources. Reprenons un instant. Les Britanniques, effectivement, sont organisés très différemment de nous. Le MI5 fait quasiment que du renseignement, et notamment humain. Ils ont... spécialisé les différents services. GCHQ, qui est l'équivalent de la NSA, ne fait que du renseignement technique. L'analyse de bas niveau est confiée au renseignement militaire, Defense Intelligence. L'analyse de haut niveau à un organe qui est directement placé dans Downing Street, qui s'appelle le Joint Intelligence Committee et qui anime tout un ensemble, toute une hiérarchie de groupes d'évaluation. Donc effectivement, MI6, c'est pareil, hein, ça fait du renseignement, ça fait de l'analyse pour préparer le renseignement, la collecte et la production initiale de renseignements, notamment humains, très très fort. Donc effectivement, il y a toujours un regard aussi entre les services. Je pense que les services français aimeraient avoir autant de moyens que le MI5, tout en ne perdant pas l'accès à la structure préfectorale, les capacités de déployer des moyens techniques sur le territoire national,
et d'être eux-mêmes en production de la note ultime qui atterrira sur le bureau du ministre de l'Intérieur, du président de la République ou du Premier ministre ou en région des préfets et des préfets de police. Donc on est organisé différemment. Chaque pays s'est organisé d'une certaine manière et il n'y a pas de solution miracle. Le système britannique est réputé pour être assez efficace. Bon, ça, il n'empêche qu'ils ont aussi des attentats sur leur sol, qu'ils n'arrivent pas à anticiper la totalité des menaces et qu'eux-mêmes suivent des sources ou suivent des objectifs, hein, des targets, des cibles pendant des années que parfois ils vont aussi perdre ou qui vont s'actionner alors qu'elles étaient sous leur regard. Donc, sans doute que l'affaire Mera est un traumatisme, mais si vous voulez, si c'est un traumatisme, bon, un sociologue doit toujours écouter la façon dont son objet s'exprime, mais il ne doit jamais s'arrêter à la manière dont son objet s'exprime. L'affaire Mera est sans doute symbolique ou illustrative d'un des vrais problèmes organisationnels du renseignement, et notamment du renseignement de terrain, du renseignement au contact de la population en France, mais qui renvoie aussi à des phénomènes de structures lourdes qui ont été l'abandon du renseignement territorial dans un certain nombre de réformes à partir du milieu des années 2000 et la tentative de reconstruction de cette capacité. Donc si vous voulez, quand vous questionnez les acteurs, c'est toujours des questions un peu personnelles, individuelles, de ressenti, parce que les fonctionnaires sont des êtres humains comme les autres et ils ont tendance à s'attacher à un certain nombre d'événements structurants qui vont leur permettre de penser leur action. Nous, en sciences politiques, on va essayer de décaler un petit peu le regard et de le généraliser pour aller traiter, notre métier c'est traiter des institutions et des rapports sociaux ou des rapports qui vont s'instaurer à l'intérieur de groupes humains. Autant que tout autre, mais avec quelques traits marqués, les groupes du secret, l'anthropologue Alain de Verpe a fait un très bon bouquin qui s'appelle Espion, qui est un peu ancien mais qui reste toujours extrêmement fertile et fécond sur ces questions-là. Il montre bien qu'il y a aussi des capacités dans l'univers du secret de produire des narratifs, des narrations qui vont donner du sens et qui permettent de communiquer avec l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une centralisation du renseignement et il y a une sorte de normalisation du renseignement. Comme le rappelait Yves Trottignon dans l'interview précédente, il y a 20 ou 30 ans, on était dans l'univers des barbouzes, des officines, d'un usage, d'une instrumentalisation par le politique, d'une division des services et d'une guerre des polices, pour le coup, afin que les services ne soient pas un lieu de pouvoir susceptible de menacer la République ou de perturber la vie politique du pays. On est complètement sorti de tout cela à partir des années 90, et il y a, ça peut rester, ça peut ressurgir de temps en temps, mais il y a une sorte de normalisation aujourd'hui. Comme le disaient Yves tout à l'heure et Philippe, nos étudiants à Sciences Po, lorsqu'ils étudient la sécurité internationale, peuvent très bien envisager de faire une carrière dans le renseignement. Ça leur paraît pas bizarre, ça leur paraît pas totalement exotique, ça peut y avoir un certain nombre de fantasmes attachés à ça, mais il y a presque l'idée que c'est devenu un métier ou une fonction publique un peu comme les autres. Au travers de ça se joue une tension très forte parce que c'est une action très spéciale. Ça n'est pas normal. Vous jouez sur la clandestinité, sur le secret, sur effectivement un certain nombre de distorsions morales ou juridiques qui sont au cœur de votre métier. Donc l'idée qu'on est en permanence en faiblesse en France sur le traitement de nos sources, qu'elles nous échappent ou qu'on n'est pas capable de les traiter, c'est à la fois une réalité organisationnelle qu'on est en train d'essayer de résoudre, mais qui va prendre 5, 10, 20 ans. Philippe Hayet disait à l'instant, voilà, les Allemands en sont à une loi de deuxième génération, ils en auront de troisième génération. Nous, on est dans des lois de première génération avec la loi de 2015 sur renseignement. On vient à peine de commencer ce travail de transformation et de réforme. Oui, oui, pour revenir à cette relation microéconomique entre la source et son officier traitant, il y a un mot qui est très important, je ne crois pas qu'il ait été employé ce soir encore, c'est le mot de manipulation. Mmh. Alors manipulation, notre éducation fait qu'on considère que c'est pas bien, manipuler, tu manipules, etc. Bon, c'est un terme qu'il faut prendre de manière technique. La manipulation, c'est effectivement, entre guillemets, jouer avec quelqu'un pour parvenir à ses fins. Bon. Et en ce sens, le renseignement relève un peu, pardon de cette référence, mais on citait Steiner tout à l'heure, Roland Barthes au fragment d'un discours amoureux. Il y a ce côté, oui, séduction mutuelle, on voit bien que, enfin, pas psychologue de la vie des couples, mais il y a quelque chose à trouver en lien.
Qu'est-ce qui fait qu'on réussit, qu'on rate, qu'on, au niveau microéconomique, je le dis, au-delà des organisations générales, c'est le professionnalisme. Le renseignement est un métier, ce sont des techniques qu'on apprend et il faut avoir une démocratie qui souhaite se défendre, doit avoir des professionnels de haut niveau. Il n'y a pas d'inné, je veux dire, on n'est pas une espèce de seigneur comme ça, tout petit déjà. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se gère, qui se transmet. Ça ne se fait pas, il y a des formations qui durent longtemps. Hein, on ne sort pas de Sciences Po pour manipuler des sources, au cas où certains en auraient cette illusion. Il y a un long temps, il y a un service que je connais mieux que les autres, qui prend plusieurs années pour fabriquer des officiers traitants. Plusieurs années. Hein, voilà. Vous voulez nous dire combien de temps à peu près ben, plusieurs années, parce que, alors, si, je peux vous dire pourquoi. Parce que, et ça c'est un écho à ce que disait Olivier sur l'organisation à Londres, nous, notre principe, en tout cas pour l'enseignement extérieur, c'est de considérer qu'il ne doit pas y avoir de clivage trop fort entre, puisque vous intéressez aussi à ce sujet, entre la recherche et l'analyse. Donc c'est le yin et le yang. Nous, on fabrique, je ne parle pas des ingénieurs ou des techniciens, on fabrique d'abord des analystes, avec des têtes bien faites, et de ces analystes, on prend, pour ceux qu'ils souhaitent, qui en ont les aptitudes, il y a des exigences très particulières en termes d'emploi du temps et de vie, on forme des officiers traitants, des officiers de renseignement. Voilà. Donc, et ça, c'est très intéressant. Donc, c'est pour ça que, dans un premier temps, on va devenir un analyste, on va apprendre à... Et c'est utile parce que, finalement, c'est l'analyste qui oriente... C'est pas l'art pour l'art, hein. C'est l'analyste qui oriente l'officier traitant et c'est l'officier traitant qui produit pour l'analyste. Donc, ça a du sens que dans tout officier traitant sommeille un analyste. Alors, on poursuivra cette conversation sur l'analyse dans quelques instants. Je voudrais revenir, là aussi, l'actualité s'invite un peu dans notre Mediapart Live qu'on avait programmé depuis quelques temps, sur l'affaire qui a défrayé les chroniques ces derniers jours de l'espionnage présumé chinois avec deux personnes de la DGSE qui ont été mises en examen pour trahison et écrouées. Alors, je précise... que M. Haillé, étant un ancien de la DGSE, est soumis à un devoir de réserve. On va demander à M. Chopin, qui n'est pas dans le secret des dieux, donc qui ne peut pas avoir toutes les réponses, mais il y a un questionnement qu'on a tous eu, c'est-à-dire cette affaire date des années... l'origine de cette affaire remonte aux années 80 de mémoire. Le journaliste Franck Renaud, dans son livre « Les diplomates » paru en 2010... la révèle, la rend publique, c'est-à-dire ça devient en sous-ouverte, et c'est seulement 7 ans après qu'il va avoir une concrétisation judiciaire avec la mise en examen de deux personnes, bon, l'un était à la retraite depuis un certain temps. Olivier Chopin, de là où vous êtes, et encore une fois, on ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal, mais qu'est-ce que ça suscite comme réflexion, ou est-ce que vous avez une idée, une justification qui pourrait expliquer pourquoi ça a pris tant de temps, et si c'est normal, si c'est... Alors, vraiment, j'ai aucune idée, et c'est une excellente question, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est vraiment... c'est assez mystérieux, et on sera tous très heureux quand on en comprendra les ressorts. Pourquoi est-ce qu'il y a une judiciarisation maintenant, enfin, fin 2017, de cette question ? Honnêtement, je n'en sais rien. C'est d'ailleurs assez atypique que les autorités... française décide de porter ce type de questions en justice. Mais justement, au fond, je pense que si on regarde l'ensemble des cas connus relatés par la presse ou vraiment creusés par un certain nombre de vos confrères et vous-même, on observe qu'il y a très très peu de juridiciarisation. C'est-à-dire des questions comme ça, il doit y en avoir plusieurs autres dans d'autres livres d'investigation qui sont en attente et qui remonte aux années 2000, aux années 90, aux années 80. Donc là, le mystère, c'est plutôt pourquoi est-ce que c'est judiciarisé maintenant que ce phénomène d'affaires d'espionnage qui sont souvent connues, mais qui, comme le disait l'ambassadeur dans la première table ronde tout à l'heure, vont rarement jusqu'à la justice parce que c'est rarement l'outil privilégié de cet univers de sécurité pour résoudre ces problèmes. Au pire, on déclare un certain nombre d'espions persona non grata, on se fait quelques échanges, c'était arrivé même entre alliés proches comme la France et les États-Unis en 94 suite à des questions d'espionnage économique. Si je me souviens bien, c'était Charles Pasqua qui était à la manœuvre. C'est arrivé plus récemment avec les Russes après l'affaire Skripal. C'est-à-dire que
dans l'univers de la sécurité en général, il y a très peu d'effets de politisation partisane. Ça évolue maintenant avec le terrorisme, bon, c'est une autre question. Et il y a très peu de judiciarisation, c'est relativement rare. Donc là, franchement, je ne peux pas vous répondre sur pourquoi ça se déclenche avec tant de retard. L'autre question un peu miroir, c'est pourquoi ça se déclenche si rarement? Pourquoi est-ce que la judiciarisation n'existe pas tant que ça? Combien avons-nous eu de grandes affaires d'État qui ont été vraiment parfaitement documentées par les journalistes, mais qui ont eu très peu de traductions judiciaires et très très peu de condamnations à la fin? Parce qu'en France, il y a une articulation du judiciaire et du politique qui est très particulière. Et effectivement, comme le disait Philippe tout à l'heure, la souveraineté reste encore dans notre pays un domaine, enfin un concept extrêmement fort. Le renseignement relève des opérations de souveraineté, comme l'action militaire à l'extérieur. Et il y a quand même cette notion, même si l'état de droit au sens libéral progresse très fort et que l'État se soumet de plus en plus au droit commun, le renseignement reste quand même un domaine dans lequel le pouvoir judiciaire a peu de place en termes de contrôle. Et il y a même au contraire, on le sait dans les questions de terrorisme, une forme de coordination entre le policier et le judiciaire sur les questions justement d'anticipation de la menace et d'entrave des menées terroristes en amont. Donc on n'a pas du tout organisé le judiciaire comme un outil de contrôle démocratique des services secrets, si je puis dire. D'accord. Alors, Monsieur Haillé, encore une fois, on ne va pas du tout vous demander de vous exprimer sur cette affaire, mais je m'en voudrais de ne pas vous mettre un petit peu en difficulté quand même ce soir. Non, par contre, il y a une question plus sérieusement qu'on peut se poser, c'est comment fait un service de renseignement pour justement détecter, la DGSE, je ne sais plus les effectifs en tête, vous pourrez nous le rappeler, mais c'est plusieurs milliers d'hommes, la DGSI c'est pareil, comment fait-on pour détecter justement qu'un de ses propres officiers, un de ses propres espions, a été lui-même recruté par une puissance étrangère? Est-ce que c'est des coups de sonde réguliers? Ou est-ce que ça part vraiment d'une enquête à chaque fois très précise? Enfin, comment ça se passe? Sur le plan théorique, je n'ai pas d'éléments sur cette affaire et je n'ai pas les conjectures. Mais y a deux filets, si vous voulez, et puis le filet est percé ou pas. Il y a un premier filet qui est que, comme dans une banque, comme dans une compagnie sensible, ces services ont un service de sécurité intérieure, qui assure la sécurité et donc qui veille à ce que les emprises, les habilitations, etc. fonctionnent. Donc c'est un premier filet. Et puis il y a un deuxième filet pour les services intérieurs et extérieurs français qui est leur unité de contre-espionnage. Bon. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, un peu comme en matière de cyber, le contre-espionnage, en tout cas, est une fonction qui a été un peu sous-estimée, on le sait maintenant, mais qui n'a pas disparu. Et pour le service extérieur, le contre-espionnage comprend une notion offensive. C'est-à-dire que c'est parce que vous êtes, entre guillemets, dans le service adverse, si tant est qu'il y ait des services adverses avec lesquels vous coopérez par ailleurs, que vous savez et que vous détectez si, sans faire de roman, votre service a été menacé. Et donc, une partie des affaires qui ont été démasquées, les grandes affaires, guerre froide, etc., ce n'est pas le service de sécurité premier niveau, c'est le contre-espionnage qui, à l'occasion d'une opération, parce que d'un recrutement, d'un archiviste, d'un ancien, etc., a réussi à comprendre qu'il y avait des fragilités, des faiblesses. Ça peut prendre des années. Donc ça peut expliquer aussi que des affaires qui ont été allusivement évoquées prennent une tournure beaucoup plus profonde parce que des éléments nouveaux liés à une activité de renseignement sont arrivés. Mais il n'y a pas de barrière étanche en vérité. Alors, l'heure tourne, je ne pourrais pas poser toutes les questions que je voulais sur l'analyse, mais vous l'avez déjà un petit peu abordé. Moi j'aurais juste une question par rapport à l'analyse, donc qui va être, en schématisant, la deuxième phase, c'est-à-dire qu'on a collecté, un service de renseignement a collecté des informations, et après, il faut les analyser. J'aurais une question qui s'adresse aux deux, qui est d'actualité, qui est contemporaine. C'est qu'on est dans une ère du big data, et donc, les services de renseignement récupèrent, que ce soit source humaine ou renseignement technique, une masse de données extraordinaires, telles qu'ils n'en ont jamais eues, et pareil, lors de notre enquête sur les services de renseignement et leur vie au quotidien, on avait des analystes qui nous disaient, mais le problème, c'est qu'on a presque
trop de données et il faut arriver à faire le tri. Donc, comment le travail d'analyse, qui est quelque chose de très pointu, vous l'avez abordé tout à l'heure, comment ça peut s'adapter à ce problème, entre guillemets, de presque trop plein d'informations ? Est-ce qu'il y a... Réponse courte, parce que sinon on s'en vient. On s'adapte. Enfin, les analystes s'adaptent. Ils s'adaptent simplement comme les sociétés de bourse se sont adaptées dans les années 80 quand les outils d'analyse des marchés financiers se développaient, outils techniques déjà à l'époque, en mélangeant du micro et du macro, c'est-à-dire qu'il y a de l'analyse de valeur d'une information, et puis il y a de l'analyse de systèmes, de flux, de profils généraux, sur des flux de données, par exemple, et naturellement appuyés sur des ordinateurs, sur des capacités techniques. Il n'y a pas de secret, c'est un défi, vous avez raison de relever, mais une des réponses, en tout cas que nous retenons d'après ce que je comprends en France, c'est de bien colocaliser, de bien mélanger les analystes de contenu et les analystes de données, c'est-à-dire en fait les profils sciences humaines et les profils techniques d'ingénieurs. Et on les fait travailler ensemble, car voilà, ils sont très complémentaires. Je crois que ça peut donner des résultats, mais il y a évidemment un risque dans ce domaine comme dans d'autres de saturation et de déferlement. Pour présélectionner au sein des masses de données, les données qui mériteront après d'être analysées. Pas seulement, parce que ça, les robots pourraient tenter de le faire. C'est plutôt pour faire des analyses de flux, des analyses quantitatives. Vous avez dans sur une population d'informations, une population de données, des grands nombres, bien sûr, des patterns, des modèles qui se dessinent et qui il faut comprendre la technologie, il faut être formé sur la technologie, l'économie, la technologie d'Internet pour le comprendre, d'Internet, même sur des sources ouvertes. Voilà. Donc c'est une orientation qui fait que par rapport au romanesque dans lequel nous étions il y a quelques minutes, ce métier devient un métier d'industrie lourde, un métier technologique et où même l'analyste spécialiste de telle secte, de telle région, etc., doit avoir une culture technique. D'accord. Monsieur Chopin, vous aviez... Oui, tout à fait. En outre, il y a vraiment des cultures nationales assez différentes. C'est-à-dire, comme le disait Philippe tout à l'heure, en France, l'analyse est au cœur même de la formation initiale de l'officier de renseignement et la capacité, on le conçoit quand même, dans un schéma d'ailleurs assez cartésien, comme à la fois la capacité de débrouiller les éléments complexes en organes simples qui peuvent être combinés et analysés les uns les autres, et puis aussi cet art de la synthèse, de produire une note qui va avoir une signification en elle-même et qui va être éventuellement opérationnalisable. L'analyse au Royaume-Uni, c'est vraiment un process très très, très, très particulier qui est immédiatement intégré à la dimension politique du renseignement, c'est-à-dire qu'il y aura une différence vraiment entre la captation, l'archivage, l'enquête, la recherche qui va être faite par les grands services qu'on connaît, le MI5, le MI6, etc. Et puis tout ce travail d'arrière-plan qui est quasiment jamais évoqué, qui est un travail en mode un peu pyramidal, de production, de consensus, de dissent, qui va éclairer la décision politique de Whitehall et du 10 Downing Street, du Premier ministre et de ses grands ministres. Aux États-Unis, la question de l'analyse, elle est traumatique, parce que c'est prétendument un défaut d'analyse qui a quand même mené au drame du 11 septembre, puis c'est une perversion de l'analyse, on ne revient pas sur Curveball, mais c'est de cette affaire-là qui a mené au drame du 11 septembre. Dans la science du renseignement américain, l'analyse, c'est 80% de la recherche que nos collègues font publiquement sur le renseignement. Il y a une sorte de science de l'analyse qui est même parfois presque autoréférentielle et un peu hypnotique ou un peu obsédante aux États-Unis. Qu'est-ce qu'un bon analyste ? Comment on l'améliore et comment on tient compte justement de deux effets de production de masse absolument incroyables aujourd'hui, la captation par des moyens techniques qui produit des données dans des masses ingérables dont on ne comprend même pas les chiffres, enfin, avec des puissances 10 000 partout, et le renseignement ouvert, c'est-à-dire l'immixtion du renseignement que vous allez chercher avec des capteurs spéciaux et des moyens spéciaux dans un environnement d'information et de data qui est beaucoup plus disponible et qui doit faire sens à un moment donné. Donc en France, je pense qu'on est vraiment effectivement dans un travail de définition d'une vision de l'analyse et d'une vision de la donnée qui va correspondre à notre mode d'organisation, mais qui est aussi lié à la politisation au sens noble du terme, c'est-à-dire à la capacité de ce renseignement de faire sens pour un décideur ou pour un acteur politique ou militaire à la fin.
D'accord. Alors, on va venir, troisième phase, donc les opérations clandestines, donc c'est le propre d'un service extérieur. Là encore, on va peut-être pas faire aussi long que ce qu'on avait prévu à la base, mais moi, j'aurais une question à vous poser qui peut paraître un peu provocante et un peu grosse, mais par ailleurs, dans ce contexte d'attentat où on a vu, on a entendu tout à l'heure ce que Éric Rochand disait sur les réactions politiques et sur la folie collective, y compris de nos politiques, et qui me semble pas totalement idiote. C'est des œuvres de fiction qui, je dois le dire, m'ont soulevé et amené ces questions mieux que ce que nous on peut faire. La dernière saison du Bureau des légendes, justement, montre un agent infiltré du FSB, donc le service de renseignement russe, au sein de l'État islamique, qui, pour garder son rôle, qui, pour monter dans la hiérarchie et donc avoir encore plus de connaissances et de renseignements sur ce que fait et projette l'État islamique, va commettre des exactions, va participer à des crimes en même temps que n'importe quel djihadiste. Et l'autre œuvre de fiction, c'est la deuxième saison de Baron Noir, je ne sais pas si vous l'avez vue, où on voit, vous savez, on parle régulièrement dans la presse des opérations homo, donc ces opérations homicides projetées à l'extérieur, et dont un récent président de la République a fait grande publicité. Et dans le Baron Noir, on voit, et donc ça pose une question, une opération homo pour empêcher un attentat, une opération homo commanditée par le politique et qui se réalise à l'intérieur même de nos frontières. Est-ce que ces choses-là, donc bien sûr ce sont des œuvres de fiction, vous allez me dire, mais est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Quelles sont les limites éthiques que les services de renseignement français s'imposent, vu qu'on est de toute façon dans l'illégalité sur une opération clandestine? Quelles sont les limites éthiques et est-ce que ce genre de choses ne restera à jamais que de la fiction ou est-ce que c'est envisageable? Alors c'est compliqué, hein, parce qu'on va essayer de faire court. Bon, d'abord, on peut prendre le temps sur l'action clandestine n'est pas le propre de tout service de renseignement. Et vous avez cité un service français, mais il y a un centre de démocratie qui considère que c'est off-limit. Mmh. Bon. En France, on considère que cette pratique correspond à notre vision politique, comme c'est le cas au Royaume-Uni, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas en Israël, mais pas comme c'est le cas en Allemagne, par exemple. Bon. Donc déjà, c'est une autre catégorie. On ne joue pas dans la même division. Bon. Une fois qu'on a dit ça, l'action clandestine, alors vous parliez d'illégalité, on n'est pas dans l'illégalité, puisqu'il faut que les choses soient très claires, il n'y a pas d'action clandestine désormais en France, ou alors s'il y en a, c'est une faute, sur le territoire national. On est sur l'action clandestine dans un monde qui n'est pas régulé. C'est illégal, en effet, comme l'est le recrutement d'un fonctionnaire étranger parce qu'on piétine des lois nationales, mais ça n'est pas contraire à nos lois, puisque les lois, les textes normatifs français prévoient le mot qui est un mot un peu cache-sexe, c'est le mot qui figure, par exemple, dans le décret constitutif de la DGSE en 82, qui est le mot d'entrave. Le renseignement, ça ne sert pas simplement à informer, ça sert aussi à déjouer, entraver, contrarier des projets terroristes ou ce que vous voulez. Alors après, l'action clandestine, elle est, s'il y a bien une chose qui doit être contrôlée politiquement, c'est ça. On est dans, je n'imagine pas personnellement, je n'ai pas d'éléments sur ce que le président de la République peut dire, etc., mais je n'imagine pas d'action clandestine qui soit de l'art pour l'art, qui soit une initiative. Si c'est le cas, il faudra en tirer les conséquences. Ça ne peut être qu'une volonté politique d'utiliser un outil très particulier à l'étranger dans des conditions qui sont de première importance. Donc on est dans une espèce, vous posiez des questions éthiques, on est, alors je ne veux pas dire que les gens sont sans âme, mais de casuistique. C'est d'abord une responsabilité des autorités de justifier le recours, s'il le faut, devant la représentation nationale, devant l'histoire, ce que vous voulez, à cette arme. Et ensuite, c'est un art d'exécution particulièrement exigeant, puisque c'est de la haute tension, c'est un travail qui se fait dans des conditions extrêmement périlleuses. Bon. Et donc, ensuite, et je m'arrête là,
L'action clandestine, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous parliez d'action homo, etc. Ça peut être une entrave de cette nature, même si c'est plus la fiction qui entraide, parce que telle personne d'un réseau de crimes organisés, de prolifération, de terrorisme, est une personne qui est clé, dont il faut déjouer pour longtemps les projets. Mais ça peut être aussi, alors, au temps de la guerre froide, on était dans l'hubris des coups d'État, hein, des renversements d'États africains ou ailleurs, etc. Enfin, chacun connaît son histoire. Ça peut être aussi une action clandestine, aller chercher des journalistes à l'étranger pris en otage. C'est une action clandestine. Ça n'est pas juste du renseignement. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toute une gamme qui peut être débattue devant l'histoire, encore une fois, sur le plan des principes moraux. Je pense que c'est d'abord la preuve que le renseignement est une affaire politique. Monsieur Chopin, vous avez... Pour vous, oui, est-ce que les services français, est-ce que c'est se pose plus de limites ou autant ou pas du tout par rapport à d'autres services étrangers? C'est-à-dire que c'est le rapport entre la loi, enfin le rapport de la loi et de la raison d'État, si vous voulez. Si normalement, dans le cadre de leur action régulière, bien qu'elle soit spéciale. Les services ne sont pas censés aller jusqu'à des actions légalement répréhensibles comme de l'assassinat politique ou des choses comme ça. Si à un moment donné quelqu'un en prend la décision, effectivement c'est quand même souvent sur décision politique du plus haut niveau, parce que c'est un acte de souveraineté qui renvoie à une des définitions de la raison d'État, qui est la captation par l'État de cette liberté qui relève théoriquement, hein, d'ailleurs chez les juristes, du même type que le pouvoir constituant, de maintenir coûte que coûte l'intégrité de l'État et de la nation face à une menace sérieuse. Donc on va s'autoriser de passer outre la loi et la morale dans l'idée d'un intérêt réellement supérieur. C'est le fameux salus populi suprema lex, mais qui est aussi convoqué par des penseurs libéraux, pas seulement par les théoriciens de la dictature romaine. Donc il y a cette notion, si vous voulez, à un moment donné, si c'est justifié par une menace immédiate ou spécialement grave, on peut passer outre. Est-ce qu'on le fera au titre de la loi ou dans le cadre de la loi? Certainement pas, c'est pas possible. Donc là, on va effectivement sortir complètement. Les Américains avaient totalement tenté d'encadrer cela à partir de... Il y a eu une grande compétition entre le Congrès et la Maison-Blanche à partir des années 70 et des grandes affaires liées au Watergate et des grandes commissions américaines. Et sous Bill Clinton, au début de son second mandat, il y a des textes qui imposent aux services de renseignement américains de limiter et d'abandonner tout un certain nombre de pratiques répréhensibles légalement et moralement, qui sont toutes les pratiques qui seront restaurées en package, si on peut dire, dans le fameux Patriot Act en 2001. En France, comme au Royaume-Uni, nous sommes des États de droit et les services se conforment, autant qu'on le sache, autant possible à ces principes. Après, voilà, François Hollande, dans son livre « Un président ne devrait pas dire ça », admet le fait qu'il ait ordonné des éliminations ciblées en Syrie, en détail le principe et le fondement, mais il le décrit voilà, comme des opérations, des actes de souveraineté, en quelque sorte, qui relèvent de l'esprit de sa fonction présidentielle, qui est d'être la clé de voûte des institutions et le garant ultime des intérêts de la nation. On est sur des questions extrêmement complexes, parce que, évidemment, derrière ces potentialités ou cette hypothèse demeure toujours le risque de la corruption politique, pas économique, mais de la corruption du régime et de la dégénérescence des institutions qui pourraient s'éloigner de leur principe, de leur fondement, qui est quand même lié aux droits de l'homme. Et donc, comme le disait Philippe Payet, les Allemands font une loi de deuxième génération qui va inventer, en quelque sorte, l'idée d'intermédiaire entre l'étranger et le national, qui serait l'espace européen. Bon, il y a une logique liée à l'Union européenne, à la Convention européenne des droits de l'homme, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui impose aux États de se moraliser, en quelque sorte, sur ces questions-là. Mais l'action spéciale, l'action réellement clandestine, pas seulement secrète, mais celle qui échapperait à la loi et à la morale, relève quand même de l'exceptionnel, quand bien même ça se réitérerait de manière quasi régulière ou avec une fréquence de plus en plus intense, comme lorsque nous sommes dans des opérations antiterroristes internationales de grande ampleur. D'accord. Alors,
On déborde, mais j'aimerais quand même vous poser une dernière question qui permet de boucler la boucle. On a vu les différentes étapes du métier d'espion. Il y a la question du contrôle externe des services de renseignement et de son action. On vient de parler de ce qui pouvait être clandestin. On a souvent pointé à Mediapart, étant entendu qu'on est bien sûr sur une matière des services de renseignement et que tout ne peut pas être rendu public, c'est bien naturel. En même temps, quand on regarde, à propos de la question des attentats, quand on regarde ce qui s'est fait dans différentes démocraties, les Américains, après le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le 11 septembre, qui est très dense, avec des choses qui sont cachées, qui ne sont pas rendues publiques, on sait quand même que telle réunion, le tel jour a eu lieu, que telle et telle personne était là, et pourquoi un tel était partisan de droner Ben Laden en 98, tel autre, pourquoi il ne l'était pas, on a des arguments, et on peut savoir reconstituer ce qui s'était passé, et comprendre et analyser. Je vais être un poil caricatural, mais si on prend le rapport d'enquête parlementaire français sur les attentats de 2015, et ce n'est pas une critique sur l'ensemble du travail qu'ils ont fait, mais quand on regarde les supposées failles des services de renseignement, en gros, il y a deux failles qui sont pointées, c'est de la faute des services grecs et c'est de la faute des services belges. Quand on vient de se prendre deux ou trois attentats et qu'on a 150 morts en un an, il ne s'agit pas de pointer du doigt un homme ou un service plus qu'un autre, mais de regarder, est-ce qu'il n'y a pas là un problème intrinsèque, c'est-à-dire les politiques n'ont jamais trop voulu comprendre ce que c'était que le renseignement, ou alors les chefs des services ont toujours été su garder leur précaré. Est-ce qu'il n'y a pas un manque dans notre démocratie à nous, est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse là sur le contrôle, ou est-ce que... Et par ailleurs, j'ai cité l'exemple américain, mais je crois que les Anglais ont fait un rapport aussi qui était remarquable sur les attentats de 2005 où les choses étaient dites. Donc, est-ce que nous, on n'a pas là aussi un retard et qu'on pourrait s'inspirer de nos petits voisins de temps en temps? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Jopin? Je vous vois sourire. Oui, alors, à nouveau, le poids du régime et de la Constitution pèse beaucoup. Les services de renseignement américains ont deux tutelles. Ils ont fonctionnellement un reporting immédiat au président des États-Unis et à un certain nombre de ministres de la Défense, le secrétaire d'État, le département de la Justice. Mais ils sont aussi tous nommés et responsables devant le Congrès, qui a des pouvoirs dits de supponéa et d'investigation qui sont incommensurables avec ceux qui existent en France notamment. Il y a beaucoup de systèmes de contrôle qui sont plus poussés que les nôtres, notamment en Europe. Il y a quelques années, avec des collègues, on avait fait une étude pour le ministère de la Défense qui est en ligne, une étude de l'IRSEM sur le contrôle des forces armées et de leur action. Il y avait une section sur le renseignement et on montrait comment au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, il y a des mécanismes de contrôle parlementaire, notamment ou juridictionnel, qui sont beaucoup plus poussés qu'en France. On observe quand même dans tous les cas que lorsqu'on en arrive au contrôle formel, c'est qu'une tension politique entre les services et les gouvernements est allée jusqu'à ce que ce contrôle formel soit déclenché. Dans la quasi-totalité des cas, le contrôle se fait en amont du contrôle formel, dans des discussions informelles et interpersonnelles entre les chefs de service, des parlementaires, des juges ou les grands hauts fonctionnaires de ces différents États. Et par exemple, le Parlement britannique, les gens de la commission du contrôle du secret britannique disaient « Notre authentique pouvoir, c'est le pouvoir d'embarrasser le gouvernement si jamais il refuse de nous expliquer un peu ce qu'il fait avec ses services. » Mais nous essayons de ne jamais en arriver aux affaires formelles, à la publicisation et encore moins à la politisation de ces questions-là. Pour le cas français, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que nous avons démarré plus tard que les autres la mise en forme d'un système de contrôle formel avec une instance à l'Assemblée nationale, une autre à l'Élysée, un contrôle, une inspection des services auprès du gouvernement.
Donc on est parti un peu plus tard, à partir d'un schéma qui se déclenche en 2008 et qui devient effectif en 2015. Et on n'a pas encore cette culture du contrôle. Après, on mélange deux choses. Enfin, dans votre question, il y a le deuxième aspect, c'est la non-reconnaissance de l'échec. Et vous l'avez très bien observé, on a des ministres de l'Intérieur qui, après qu'il y ait 130 morts ici et 80 là, dans les rues de France, nous expliquent qu'il n'y a pas de faille et nous avons fait ce que nous devions et en quelque sorte tout va bien. Je ne dis pas qu'il y a eu des failles et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'on aurait dû faire autrement, je n'ai aucun titre à juger de ça. C'est très compliqué d'avoir des autosatisfécites face à des échecs aussi probants. Mais ça renvoie à mon avis encore à une des dualités de l'État aujourd'hui, qui est confronté à un problème quasi insoluble. Il faut maintenir l'idée que l'État est en quelque sorte tout puissant, ou du moins les hommes politiques qui incarnent ces fonctions régaliennes estiment qu'un discours de l'infaillibilité sera la condition en quelque sorte pour le maintien d'une confiance du peuple dans les institutions. Mais effectivement, ça devient absolument criant que ce n'est plus le bon modèle dans la société ouverte que nous sommes et dans les progrès de l'État de droit qui affectent l'administration française en général, cette position est de moins en moins tenable. Donc ce paradoxe est là, on crée en permanence, on essaie de restaurer l'image de l'infaillibilité et de la puissance qui est liée à une certaine doctrine de la raison d'État, alors qu'en fait l'État se trouve parfaitement confronté, comme tous les autres gouvernements des régimes occidentaux, mais aussi d'autres puissances qui sont affectées par le terrorisme et qui sont en phase de démocratisation ou qui sont des régimes autoritaires, face à des menaces comme ce terrorisme ou ce djihadisme qui affecte de nombreux pays, il n'y a pas de réponse sécuritaire simple et c'est très très dur de maintenir un sentiment de sécurité. Donc là, on est, je pense, effectivement dans une forme de schizophrénie communicationnelle assez forte et qui a cet effet de bloquer effectivement des enquêtes, des commissions qui permettraient de faire la lumière. Mais que ce soit la commission Keane aux États-Unis en 2004 ou que ce soit la commission Chilcot que vous citiez au Royaume-Uni plus récemment, un fait notable, c'est que ce ne sont pas des commissions parlementaires, ce ne sont pas des commissions régulières ou permanentes, ce sont des comités qui ont été montés de manière ad hoc pour adresser un problème politique qui est hors contexte et qui est hors norme. Et c'est vrai que le terrorisme nous oblige à nous situer toujours à la frontière de l'intégrité de nos régimes politiques et à cette frontière entre la souveraineté et le droit, l'action et le respect des règles formelles. Sur le Mediapart Live, on a aussi un contrôle externe qui s'exerce de manière très forte en régie. On me fait signe qu'il faut qu'on arrête. Vous m'en excuserez, mais je tiens à remercier déjà messieurs Chopin et Hayé. Ce ne sont pas des gens qui courent les plateaux télé. Leur parole est plutôt rare et d'autant plus précieuse. Donc merci de nous avoir fait l'honneur de venir. Merci aussi à messieurs Rochand et Trottignon qui nous ont permis d'aborder la question de la représentation fictionnelle des services de renseignement. Et merci à messieurs Blanche-Maison et Djernov qui nous ont permis aussi d'aborder la délicate question russe. Alors, pour ceux d'entre vous qui découvrent à travers ce live Mediapart, vous êtes peut-être surpris qu'on aborde les questions de renseignement. Nous abordons tout un tas de choses au-delà des enquêtes et des scoops qui peuvent être révélés sur les pratiques de nos politiques. Il y a des questions sociales, il y a des questions économiques. Venez voir Mediapart, nous avons une offre à partir d'un euro. Et maintenant, je crois que c'est le mot de la fin. Donc, merci encore de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine, j'ai oublié le thème. Le cinéma, bien sûr.